Mercredi, j'avais prêché sur la puissance et la transformation. On Wednesday, I preach upon the power of transformation. Je vais parler encore un peu sur ça. I will speak about it again. Après, je vais vous laisser partir. Then I'll let you go. Genèse chapitre 1er. Reading in the book of Genesis, chapter 1. Genèse chapitre 1er. Genesis chapter 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. In the beginning, God created the heavens and the earth. La terre était un chaos. Elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Et le souffle de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Then God said, let there be light, and there was light. Dieu notre Père Céleste, God our Heavenly Father, ajoute les bénédictions, add the blessings, à la lecture de ta parole, to the reading of your words, au nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus Christ, donne-nous ton onction pour cette prédication ce soir, give us thy anointing for this sermon tonight, au nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus Christ, Amen. 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 Salut un peu celui qui est à côté. Shake hands with someone. Dis-lui que Dieu te bénisse. Tell your brother, God loves you. God bless you. Amen. Amen. Bless you to Pastor. J'ai parlé sur la puissance de la transformation. I spoke up on the power of transformation. Et je voulais continuer juste un tout petit peu avec ça. I'd like to continue a little bit with c'est that. C'est là que Dieu va nous conduire. As God is going to lead us. Amen. Amen. La puissance de transformation. The power of transformation. Et nous avions essayé de montrer un peu qu'est-ce que Frère Branham était en train de dire par rapport à ça. We tried to show what Brother Branham was saying about it. Comment il était en train d'expliquer la transformation. I was explaining the transformation. Il a dit, comme Paul avait dit dans la Bible, he said, as Paul said in the Bible, que nous ne devrions pas être, nous conformer aux choses de ces siècles présents. We should be conformed to the things of this present century. Mais que nous devrions être transformés par le renouvellement de notre intelligence. But we should be transformed by the renewing of our mind. Pour faire la volonté parfaite de notre Dieu. To do the perfect will of our God. Cela veut dire that means que pour faire la volonté parfaite de Dieu, to do the perfect will of God, tu dois être une personne transformée. You must be a transformed person. Si tu n'es pas une personne qui est transformée, you're not a person that is transformed, il est impossible que tu fasses la volonté de Dieu. It's impossible for you to do God's will. Surtout la volonté parfaite de Dieu. Especially the perfect will of parce God. Parce qu'il n'y aura pas moyen pour toi d'être en contact avec Dieu. There won't be any way for you to be in contact with God. Dieu a besoin que nous puissions être transformés. God wants for us to be transformed. Non pas par rapport aux choses de ce monde. Not according to the things of this world. Frère Branham a dit ceci. Brother Branham said this. Il a dit, now we want the mind that was in Christ to be in us. Nous voulons que la pensée qui était en Christ soit en nous. La pensée qui était en Christ. The mind that was in Christ. Nous voulons que cette pensée soit en nous. We want that mind to be in us. Et la pensée qui était en Dieu. And the mind that was in God. C'était sa propre parole. That was his own word. Et Frère Branham a dit que nous avons besoin de cette parole là. Frère Branham said we need that word. On a besoin de cette pensée, we need that mind, qu'elle puisse être en nous, to be in us. Quand cette pensée est en nous, when that mind is in us, nous ne ferons que de bonnes choses. We will do only good things. Nous ne ferons que la volonté parfaite de Dieu. We will do only the perfect will of God. La seule manière pour faire la volonté parfaite de Dieu, the only way to do the perfect will of God, c'est la pensée de Dieu doit être en toi. The thought of God, the mind of God is in you. Et pourquoi est-ce que nous venons à l'église tous les jours? Why do we come to church every day? C'est pour que nous puissions être transformés. So we can be transformed. Pour que la pensée de Dieu puisse être en nous. So the thought of God can be in us. Parce que le message de William Branham, the message of William Branham, il n'est pas venu pour construire l'homme extérieur. He didn't come to build the outer being. Mais le message de William Branham, but the message of William Branham, il est venu pour travailler l'homme intérieur. Came to work onto the inner being. Afin que nous puissions devenir des monuments vivants. So we can become living monuments. Des monuments vivants en mouvement. A living monument in motion. Que nous puissions manifester Dieu dans nos vies. So we can manifest God in our lives. C'est ça le but de ce message. That's the purpose of this message. C'est nous faire quitter
quitter le monde. To make us leave the world. Nous faire quitter les dénominations. Make us leave the denominations. Et travailler la personne intérieure. And work the inner person. En d'autres termes, in other words, enlever la dénomination de nous. Remove the denomination from enlever us. Enlever les pensées vulgaires de nous. Remove the vulgar thoughts from et us. Faire que ce qui est de Dieu puisse entrer. Make of what is of God to step in. Parce que Dieu a besoin d'avoir des petits dieux sur la terre. Because God needs lesser God on the earth. Et la seule manière d'avoir des petits dieux. And the only way to have lesser God. C'est quand nous mangeons la parole de William Branham. It's when we eat the word of William Branham. Quand nous mangeons le message de cette heure. When we eat the method of this hour. C'est ce message qui va nous transformer. This method will transform us. Ce message nous rendra à l'image parfaite de Dieu. This method will take us to the perfect image of God. Ce message n'est pas venu. This method did not come. Pour que nous puissions promettre des millions aux gens. So we can promise millions to people. Ce message n'est pas venu. This method did not come. Pour que nous puissions promettre les mariages aux gens. So we can promise the wedding to people. Ce message n'est pas venu. This method did not come. Pour que nous fassions beaucoup de promesses physiques aux gens. So we can make so many physical promises to people. Frère Branham a dit, Brother Branham said, quand je vous prêche ce message, when I preach this message, c'est pour être sûr que Dieu entre dans ton âme. Make sure that God steps into your soul. Et aussitôt que Dieu entre dans ton âme, as soon as God is in your soul, tout ce que tu as besoin se trouvera en toi. All that you need will be in you. Le problème que nous avons aujourd'hui, the problem that we have today, ce ne sont pas les biens matériels, are not the material goods. C'est que Dieu en toi. What you, God in you. Christ en toi. Christ in you. Ça sera l'espérance de la gloire. Will be the hope of the glory. Tout ce que le prédicateur devait all faire. That the preacher ought to do. Tout ce que le pasteur devait faire. All that the pastors ought c'est to do. C'est d'appuyer encore très fort. Is to press on. Jusqu'à ce que Dieu entre dans les âmes de ses brebis dans l'église. Until God step into the soul of his sheep in the church. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Can I get your amen? Qu'est-ce que les parents doivent faire à la maison? What should the parents do at home? Ton travail d'abord, ce n'est pas nourrir l'enfant. The first work is not to feed only the mais child. Ton travail c'est de travailler. But your work is to work. Que l'enfant puisse être grand, puisse grandir dans la crainte de l'Éternel. So the child can grow in the fear of the Lord. Parce que la Bible dit. So the Bible says. Vous parents, you parents, montrez à vos enfants la voie de l'Éternel. Show to your children the way of the Lord. Pendant qu'ils sont encore enfants. As they are still children. Pour que quand ils vont grandir, so when they will grow, ils ne poussent pas sans détourner. They won't turn away from that. Papa, ton problème c'est d'abord lui montrer cette that voie. That your father is to show that way first. S'il ne veut pas les suivre, laisse pas ton problème. That's not your problem. Parce que because sa destination ne dépend pas de toi. His destination doesn't depend on la you. Destination de son âme destination of his soul dépend de Dieu qui fait la prédestination. Depends on God that is doing the predestination. Quelqu'un peut me dire amen à ça? Can I get your amen? Mais notre responsabilité, but our responsibility, c'est de lui montrer la voie de Dieu. Is to show him the way of God. Lui montrer comment prier. Show him how to pray. Comment lire les messages. How to read the message. Qu'il soit transformé. So can be transformed. Qu'il soit à l'image de Christ. So he can be an image of Christ. C'est ça le travail que nous avons à that's faire. The work that we have to do. Quand je parle comme je venais de parler, when I speak as I just spoke, ce n'est pas pour blesser quelqu'un dans l'église. It's not to hurt anyone in the church. Mais c'est pour appuyer encore très fort. But it's to press on pour pousser ton âme to push your soul jusqu'au vrai baptême du Saint-Esprit. To the genuine baptism of the Holy Spirit. Que la personne du Saint-Esprit soit en for toi. The person of the Holy Spirit to be in you. Parce que Frère Branham a dit, because Brother Branham said, dans cet âge de la fin, in this end time, nous avons reçu plus que le pentecôtiste, plus que les baptistes, plus que tout ce qu'ils ont reçu au cours des âges. Nous avons reçu la plénitude du Saint-Esprit. Et il est allé très loin pour dire, nous avons reçu la personne même de Dieu. Christ en vous, Christ in you, l'espérance de la gloire. The hope of the glory. Quelqu'un peut me dire amen à ça? Alors quand je prêche, même quand c'est dur, when I preach, even when it's rough, William Branham a dit, ça ne veut pas dire que je ne vous aime pas. Par contre, si je vous aime, je dois vous dire la vérité. But if I love you, I gotta tell you the truth. Je ne peux pas être un pasteur, I cannot be a pastor, qui se contente de bouffer vos dîmes, being happy to eat your tithe, et ne pas être sûr que si tu iras au ciel ou pas. And not make sure that you're going to heaven or not. Mon premier problème, my first problem, ce n'est même pas avoir de bonnes relations avec toi. You not to have good relationship with you. Je dois être sûr, I have to make sure, que tu es sur une bonne voie, that you are on the right way, et que tu vas aller au ciel. And you're going to heaven. Je vais être sûr de l'entourage que tu as. I want to make sure of your surroundings. Je vais être sûr des livres que tu lis. I want to make sure of the books that je vais être sûr want to make sure à qui tu donnes ton adoration. Who you give your worship to. Je vais être sûr I want to make sure que tu as cette soif là en toi. You have that thirst in you. Cette profondeur that deep qui appellera la profondeur de Dieu. That will call the deep et Dieu of God. Te bénira avec and ça. God will bless you with that.
Est-ce que vous comprenez cela? Do you understand that? Un bon pasteur, a good pastor, il ne peut pas cajoler les membres de son église. Cannot sugarcoat the members of his church. Non, il ne peut pas seulement leur dire que non, tout va bien, vous allez aller au Seigneur. All is well, you're just going to heaven. Des fois, il doit te toucher là où il y a la plaie. Sometimes you gotta touch where the wound. Il doit toucher exactement là où ça fait mal. You gotta touch where it hurts. Parce que nous venons ici. Because we come here. Pour aller au ciel. To go to heaven. Après tout. After all, le ciel est une réalité. Heaven is a reality. Après tout, after all, l'enlèvement est une réalité. Rapture is a reality. Pour lequel on doit se préparer. For which we should prepare ourselves. Préparez-vous, assemblée chrétienne de Charlotte. Charlotte Christian Assembly. Parce que l'un de ces quatre matins, because one of these days, nous allons rentrer chez nous à la maison. We will go back home. Ça demande beaucoup de préparation. It requires a lot of preparation. Si vous comprenez ça, dites amen. If you understand, say amen. La puissance de transformation. The power of transformation. Frère dit, nous avons besoin d'avoir l'esprit de Dieu, la pensée de Dieu. To have the mind of God. La pensée qui était en Christ. The mind that was in Christ. Nous en avons besoin. We need it. Chacun de nous en a besoin. Each one of us needs that. Chacun de nous. Each one of us. Il n'était pas enorgueillé. He wasn't proud. Jésus n'était pas enorgueillé. Jesus wasn't proud. Jésus ne cherchait pas ses propres intérêts. Jesus wasn't seeking his own interest. Non, 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 non. No, 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 no. Jésus était un serviteur. Jesus was a servant. Il rendait des services aux gens. He was giving service to people. Il est venu pour mourir. He came to die. Pour vous et moi. For you and I. Jésus. Jesus. Un homme bon. A good man. La bonté elle-même. The goodness itself. Et il veut que nous puissions avoir ce qui était en lui. He wants us to have what was in him. C'est pas de la blague. That's no joke. Hein, sœur Léa. Sister Léa. C'est pas de la blague. This is no joke. Nous devons travailler. We have to work. Contre nous-mêmes. Against ourselves. Contre notre personne. Against our own person. Contre mon caractère. Against my character. Contre moi. Contre against, les moi. Against the moi, j'aime pas qu'on me parle. I don't like moi, j'aime pas qu'on me touche. I don't like moi, j'aime pas qu'on dise ça. I don't like moi, j'aime pas moi. Me. Ton doigt là doit mourir. Your you has to die. Ce doigt là doit mourir. That you must die. Yes. Amen. Amen. C'est toi là empêche à Dieu d'agir. That you prevent God to do something. Come on somebody. Hallelujah. On a besoin d'être transformé. We need to be transformed. Pas se conformer. Not to be conformed. À ce qui se passe, non. To what is happening. Mais on a besoin d'être transformé. We need to be transformed. Ton vrai toi là. Your true you. Il doit se manifester à tout moment. Must get manifested all the time. Amen. Amen. Pas une double face. Not a double face. Non. No. Quand on te voit ici, tu es trop gentil. When they see you here, you're really nice. Mais seulement dans votre voiture pour la maison. Only in your car. Tu es colérique comme une scie circulaire. You have a temper like a circular saw. C'est pas bien. That's not good. C'est pas bien. Not good. On doit être transformé. You ought to be transformed. Changé. Changed. Quand quelqu'un te voit, il te considère when comme son bien-aimé. When someone sees you, he considers you as a beloved one. Mais il ne sait pas ce que tu parles de lui. He doesn't know what you say about him. S'il écoute ça. If he hears that. Et même sa foi commence à faire comme ça. Even his faith is going to start moving. C'est pas normal. Now, this is not normal. Amen. Amen. La Bible dit fais, ne fais pas à ton voisin. The Bible says don't do to your neighbor. Ce que tu ne veux pas qu'on fasse de toi. What you don't want, hallelujah, someone else to do to you. Non, ne le fais pas. Don't do it. No. Moi, j'aime pas qu'on parle de moi. I don't like someone to talk about me. J'aime pas qu'on me critique. I don't like someone to criticize me. J'aime pas. J'aime I don't like que quelqu'un parle de ta someone piste. To talk about other people. Je ne veux pas de ça. So? Ainsi, I'm not gonna talk about someone else. Je ne parlerai pas de quelqu'un d'autre. Because I don't want it. Parce que je n'en veux pas. Je n'ai pas besoin que quelqu'un s'assoie là. Oh, tu vois, je n'ai pas besoin de ça. I don't need someone to sit there to say, you see other peace. I don't want that. Alors moi aussi, je ne veux pas le faire. So me neither, I won't do that. Je m'assois là, tu vois tel. Non, I sit there, non. You see such, you say no. Beaucoup de brochures à lire. I got many brochures, booklets to read. Beaucoup de prédications à écouter. So many sermons to listen. Beaucoup, j'en ai beaucoup. I got a lot of them. Plein de choses à faire. Many things to do. Plein de villes à visiter ici aux États-Unis d'Amérique. I got many cities to visit here in the United States of America. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de malls à visiter. And many malls to visit. Beaucoup de magasins à aller visiter. Many shops to visit. Pour perdre mon temps là, tu connais David vraiment, ce petit là, David Ngiamba là. Je perds mon temps. Instead of wasting my time, this little David Ngiamba, you know, that's wasting my time. Je perds mon temps. I'm wasting my time. J'aime prendre David, mets-toi là. I like to take David, sit down there. Nous entrons dans le véhicule là. We get in the vehicle. Il me pompe des histoires, papa, tu connais. Tell me stories. That you know. Moteur, tel, oui, this is such model. Yes. J'aime que mes enfants me parlent des voitures. My children to tell me about the cars.
qui me parle de frère Branham. Let them tell me about brother Branham. Que je sois là. Instead of being on there, est en train de parler du nom de quelqu'un. We're talking about someone's name. Ça ne nous honore pas. That doesn't honor us. Ça ne t'honore pas toi. Doesn't honor you. Ce n'est pas ça la pensée qui était en Christ. This is not the mind that was in Christ. Même les enfants savent. Even the children know. Que papa na papa na bayo kanagati. Our daddy with such daddies, they don't get along. Mama na biso na mama na. Our mother with the other one. Même les enfants le savent. Even the children, they know about it. La Bible dit parents. The Bible says parents. Montrez vos enfants la voie de l'Éternel. Show to your children the way of the Lord. Mais des fois nous montrons à nos enfants tous nos ennemis. Sometimes we show to our children all our enemies. Tous nos adversaires. All our adversaries. Monica sœur Mida. When you just see Sister Mida, don't greet up, don't do that. Tu connais rien. You know that we don't get along. C'est pas bien. That's not a good thing. C'est pas bien. It's not good. No. Right? That's right. Nous devons être transformés. We must be transformed. Et frère Benoît m'a dit, brother Benoît said, être transformé. Being transformed. Ça veut dire que quelque chose qui est changé. That means something that is changed. Quelque chose qui est changé d'un état à un autre. Something that is changed from a state to another. Être transformé. Being transformed. C'est d'être changé. Is to be changed. Et être quelque chose de différent. And being something different. Quelque chose de différent. Something different. La terre était vide. The earth was empty. La terre était informe. The earth was void. La terre était désordonnée. The earth was a chaos. Il y avait la confusion dans la terre. There was confusion on the earth. Il y avait même rien de bon sur la terre. There was nothing good on the earth. Il y avait seulement la confusion. There was only the confusion. Il y avait pas un espoir. Il y avait rien. There was no hope, nothing. C'était dans le chaos. That was in the chaos. J'ai dit le chaos total. I said the complete chaos. C'était dans le noir, that dans was les in ténèbres. The dark, in the darkness. Mais l'esprit de Dieu s'est mouvé. The Spirit of God was moving on the surface of mais the water. Terre, but the earth, si on nous avait demandé à vivre à ce moment-là, if you ask us to live during that time, nous n'aurions pas aimé vivre sur la terre. We wouldn't want to live on the earth. Parce que la terre était informe. Because the earth was shapeless. La terre n'avait rien. The earth didn't have anything. La terre était vide. The earth was void. La terre était dans le chaos total. It was in the complete chaos. 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 Désordre. Disorder. Sans espoir. Hopeless. Il n'y avait rien sur la terre. There's nothing on the earth. Mais Jésus est venu. But Jesus came. Elohim est venu. Elohim came. Le Dieu qui existe par lui-même. The self-existing God. Quand il a placé son pied sur la terre. When he placed his foot on the il earth. Il n'a pas aimé le désordre. He didn't love the disorder. Il n'a pas aimé la confusion. He didn't love the confusion. Il n'a pas aimé l'état que la terre avait. He didn't love the state the earth has. Dieu n'aime pas le désordre dans God ta vie. God doesn't like the disorder in your life. Dieu n'aime pas la confusion God dans God ta vie. God doesn't like the confusion in your life. Non, il est un Dieu qui place l'ordre. That places the order. Partout là où il est. Everywhere he il is. Doit d'abord établir l'ordre. He must establish the order. S'il n'y a pas d'ordre, Dieu ne vient pas. With no order, God doesn't quelqu'un come. Peut me dire amen. Can I get your amen? Dieu aime l'ordre. God loves the order. C'est pourquoi Branham a prêché sur l'ordre de l'église. That's why Branham preached upon the church quand order. Il n'y a pas d'ordre. When there's no order. Dieu n'est pas là. God is not there. Il n'est pas un Dieu de confusion. He's not God of confusion. Mais il est un Dieu de l'ordre. He's God of the order. Ta maison doit avoir de l'ordre. Your house got to have ta order. Ta vie doit avoir de l'ordre. Your life got to have order. Tes pensées doivent être ordonné. Your thoughts have to be ordained. Tes actions, tes réactions. Your reaction. Ça doit être ordonné. Must be ordered. Par rapport à la parole de ton Dieu. According to the word of your God. Quelqu'un peut dire amen à ça. Can I get an amen? Là où il y a les désordres, il n'y a pas les succès. Where there is disorders, there is no success. Là où il y a les désordres, il n'y a pas de progrès. Where there is disorders, there is no success. Là où il y a les désordres, c'est là que le diable vient s'asseoir. Where there is disorder, the devil will come. Là où il y a les ténèbres, c'est là où les cancrelats viennent s'asseoir. Where the darkness, that's where you find the cockroaches. Tous les insectes qui n'aiment pas la lumière. All the bats do not love the light. Ils viennent se cacher là où il y a les désordres. They will hide in the disorder. Tu n'es pas un Dieu de désordre. God is not the God of disorder. Tu n'es pas un Dieu de chaos. You're not God of chaos. Là où Dieu entre, c'est le succès qui commence. The success will start. Là où Dieu entre, when God gets c'est in, une vie victorieuse qui commence. Victorious life starting. Quand il est entré sur la terre, when he came on the earth, il a dit, je n'accepte pas les désordres. I said, I don't accept the disorder. Je suis un Dieu de l'ordre. I am God of order. Et j'ai l'autorité de mettre l'ordre. To play the order. J'ai la capacité d'établir l'ordre. To establish alors il a commencé à mettre l'ordre. So start, par the sa order. Propre parole. By his own word. Que la lumière soit. Let the light be. Que la lumière fût. The light was. Et il a commencé à créer
créé chaque chose. Il a commencé par de petites villes jusqu'à créer l'homme. And he created the et le prophète a dit, prophet said, quand il a créé l'homme, when he created the c'était man, la perfection de la création. It was the perfection of creation. Après l'homme, after the man, il n'y avait plus rien d'autre que Dieu devait créer. Nothing yet God could create. L'homme était la perfection. The man was the perfection. Dieu n'a pas créé l'arbre God didn't create the tree. Selon son image ou sa ressemblance. According to his image or il n'a pas créé les animaux. He didn't create the animals. Selon son image et sa ressemblance. According to his image and likeness. Mais il a créé l'homme. Created the man. Selon sa propre image. It is on image. Et selon sa propre ressemblance. Pour que l'homme puisse être dominé. So the man can have dominion. Pour que l'homme soit son successeur. So the man can be successful. Pour que l'homme continue son travail. So the man can continue pour que l'homme place de l'ordre. So the man can place the order. Partout il y a un homme. Anyways, there's a man. Qui est baptisé du Saint-Esprit. Baptized with the Holy Spirit. Il doit établir l'ordre. He must establish the dans order. Sa vie de prière. By his prayer life. Dans sa vie d'amour. By his life il of doit God. Établir l'ordre. He establish the il order. Doit faire que toutes les choses aillent bien. Gotta make everything to go fine. Quelqu'un peut me dire amen. Can I get your amen? C'est ça le but que Dieu a créé l'homme. That's the purpose God created the man. Parce que Dieu voulait que tout soit bien. God wanted all to be well. Dieu voulait ça. God wanted that. Que l'homme soit for bien. The man to be well. Que l'homme soit for lui. For the man to be him. La puissance et la transformation. The power of the transformation. Nous devons être transformés. We ought to be transformed. Nous devons quitter notre état. We ought to leave our state. Cet état là de la négativité. State of negativity. Et atteindre cet état de la positivité. Get to the state of positivity. On doit quitter l'état de la médiocrité. We have to leave the state. On doit avancer vers l'état de l'excellence. We have to move to the state of nous avons été créés pour l'excellence. We are created for excellence. Une vie qui doit exceller. A life that can be tu dois exceller dans tout ce que tu you fais. You have to be excellent in anything you do. Amen. Amen. On doit être la tête non la queue. We have to be the head, not the tail. Je dis, on doit exceller. I say we must be on excellent. Doit quitter la médiocrité. We have to leave the mediocrity. On doit aller de l'avant. We have to move forward. Le prophète a dit. Prophet say, on doit aller de baptême en baptême. We have to go from baptism to baptism. D'expérience en expérience. From experience to experience. De révélation en révélation. From revelation to revelation. De bénédiction en bénédiction. From blessing to blessing. Du bonheur au bonheur. From happiness to happiness. On ne peut pas aller dans la médiocrité. We cannot go into mediocrity. Un enfant de Dieu. A child of God. Il doit se réjouir. Must rejoice. Il doit être dans l'excellence. Must be the excellence. Il doit être dans une vie bénie. Must dans le spirituel et dans le matériel. Sur tous les plans. In everything. Il doit être la tête et non la queue. Must be the head, not the tail. Je parle d'un vrai fils de Dieu. I'm talking about the true child of God. Amen. Amen. Tout ce qu'il touche. All that he is doing. Ça doit avancer. Must move forward. Ça doit avancer. It must prosper. Il ne peut pas rétrograder. Cannot backslide. Dans ce qu'il est en train de in faire. What he's doing. Hier il était meilleur. Yesterday he was better. Aujourd'hui il est médiocre. Tomorrow is non, mediocre. C'est pas bien. No. Il faut quitter du médiocre. You must go from mediocre au meilleur. To the best. Toujours la tête. All the time the head. Je dois toujours avancer. I gotta move forward. Je dois toujours aller de l'avant. I gotta go for all je ne peux pas reculer. I cannot step back. Hier j'étais dans les doctorats. Yesterday I had the PhD. Et après demain je recule vers les maternelles. Then I'm going back to the kindergarten. Ça ne peut pas marcher ainsi. That cannot be like that. Tu dois monter. You have to go high. Ta flèche doit toujours aller comme ça. Your arrow gotta go high. Comme une fusée tu dois monter. As a rocket you et gotta aller go. Toujours aller, toujours aller. Keep going high. Je parle de la transformation. I'm talking about the transformation. De la puissance de transformation. The power of transformation. Ça doit être dans ton cœur. Must be in your heart. Dans ton cœur. In your heart. Tu dois aspirer à une transformation. You must aspire to a transformation. Seigneur, transforme ma vie. Lord, transform my life. Transforme tout ce qui est en moi. All that is in me. Seigneur, change tout ce qui est en moi de mauvais. Lord, all that is in me. Ça doit être un sentiment. It must une be a demande. Une requête venue de ton cœur. Coming in your heart. Et dire à Dieu, Seigneur, tell God, Lord, tu connais mon cœur. You know my heart. Que je n'ai pas besoin d'être I dans cet don't état. Want to be in that state. Je besoin d'avancer. I want to move forward. J'ai besoin d'aller de l'avant. I want to move forward. Et soutiens-moi, Seigneur. So, support me, Lord. Par ta main. Hold me by your je hand. Je n'ai pas besoin de te tenir. I don't want to hold you. Parce que je risque de te perdre. Because I must lose mais you. Mais toi, Dieu, but you, God, tiens-moi. Hold me. Soutiens ma foi. Support my faith. Amen. Amen. Le Seigneur le fera. The Lord will do it. La puissance de transformation. The power of the transformation. Tu dois être transformé. You have to be transformed. Par la puissance de la by parole de Dieu. By the power of the word of God. Parce que dans la parole because il y a des choses. Because in the words there are things. Il y a des vitamines. There are vitamins. Qui peuvent t'aider pour être transformé. That can help you to be transformed. Chaque jour que tu manges every la parole. Every day that you eat the word. Ça va produire un désir. That will toi. Produce a desire in you. Et devenir comme la parole. To be like the word. Amen. 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 Ça ne peut pas être quelque chose de forcé. That cannot be something that is just at some time. And the forcing qu'on doit te forcer. Something that we gotta force you for. Quand on force, when they force, quand ça ne vient pas de toi, it doesn't come from ça n'ira pas loin. That won't go far.
Ça va monter. That will go up. Après, ça va descendre. Then it will get down. Mais ça doit venir de toi. It gotta come from yourself. Ton cœur. Your heart. Ça brûle. It's burning up. Le désir de changer. The desire to change. Lord, I want to change. Seigneur, je veux changer. I want to change. Je veux changer. Lord, help me to change. Seigneur, aide-moi à changer. Help me to change. Aide-moi à changer. Je ne veux pas m'habituer de cet état. I don't want to get used in that state. Je ne veux pas qu'on m'appelle toujours par ce nom. I don't want to be called by this name all the time. On m'appelle toujours un critiqueur. They keep calling me like this. Quand on parle de critiqueur, when they call about criticizers, je me condamné. I'm condemned. Seigneur, je veux que prochainement, Lord, I want next time. Quand on parlera de critiqueur, when they call about criticizers, que je sois en mesure de dire amen. I can be able to say que amen. Je n'ai pas de condamnation. No, I won't have any condemnation. Ça doit venir de toi-même. Must come from yourself. Quand ça vient de toi, Dieu when le fera. You, God will do it. Dieu le fera. God will do it. Parce que Dieu a besoin de t'aider. Because God needs to help you. Amen. Amen. Les mamans qui forcent leurs enfants. The mothers who force their children. Je veux que I want tu puisses t'habiller en longue jupe. You to wear a long skirt. L'enfant n'a pas encore reçu cette révélation. The child hasn't received that revelation. Elle prend les pantalons. She wears them. She met dans son sac de l'école. As she takes the pants, she puts à in la the maison, in the back. Vraiment une longue jupe. At home, she got a long skirt. Quand il sort pour aller à l'école, when she leaves to go to school, chemin faisant, on the way, she's going to change herself. Il met les pantalons. She's going to wear pants. Quand il est sur le point de rentrer à la when maison, she's about to come back home, il met la jupe longue. She wears the long skirt. Tu sais pourquoi? Do you know why? Parce qu'il y a pas de révélation. Because there's no revelation. Ça ne vient pas de la personne. It's not coming from the person. Quand ça ne vient pas de là, when it's not coming from there, je peux vous forcer d'être I can béni. Force you to be blessed. Vous ne le serez pas. You won't be. Vous ne le serez pas. You won't be. Je peux prier comme je veux. I can pray as I want. Jusqu'à ce que le sang sorte de mes yeux. Until the blood comes out of my ça eyes. Ça ne fera rien. That won't do anything. It takes you. Ça, c'est vous d'abord. C'est vous. That's you. Vous la personne. You the person. C'est vous qui devez prendre la décision. You must take the decision. Que Seigneur, je veux que cette situation change. Lord, I want this situation to change. Ça doit changer. It must change. Seigneur, ça doit changer. Lord, it must change. Ça doit changer. It must change. Priez comme Jésus. Pray like Jesus. Père, Father, est-ce que tu ne peux pas enlever cette coupe? Can you remove that cup? Il a prié, il a prié, il a prié. He prayed, he prayed. Jusqu'à ce que parce qu'il devait passer par là. Until because he had to go through that. Le Père lui-même est venu lui. The Father himself came to tell him. Et ça, je ne peux pas changer. I cannot change this. C'est ton chemin. That's your way. Amen. Amen. Mais d'abord, but first, prie. Pray. Que ça vienne de toi. Let it come from you. Lord, Seigneur, I'm sick. J'en ai marre. J'en ai complètement marre. Of this problem. De ce problème. Seigneur, change-le. Lord, change it. Seigneur, change-le. Lord, change it. Seigneur, change-le. Lord, change it. Vas-y dormir dans la prière. Go sleep in your prayer. Seigneur, change-le. Lord, change it. Seigneur, change-le. Lord, change it. Tu as changé la situation you de changed Rahab. The situation of Rahab. Tu as changé la situation you changed de the situation of Anna. Tu as changé la situation changed de Sarah. The situation of Sarah. Seigneur, c'est mon tour aujourd'hui. Lord, it's my turn Seigneur, today. Je m'attends à toi. Lord, I'm Seigneur, waiting on fais you. Quelque chose. Lord, do something. Notre Dieu n'est pas un aventurier. Our God is not adventurist. Il est un Dieu qui écoute les prières. He's God who hears the prayers. Il répond aux prières. He answers to the prayers. Il le fera si tu es sincère. He will do it if you are sincere. Amen. Amen. La puissance de transformation. The power of transformation. Frère Branham a dit mon message. Brother Branham said my message. Que j'ai toujours prêché that ici. I preach all the time nous here. Nous devons tenir à ce message. We have to hold on to this message. Peu importe ce qui peut prendre place. No matter what can take place. Nous devons toujours rester avec ce message. We have to stay with this message. Parce qu'à l'intérieur il y a la puissance. Because in there there's the power. La puissance de transformation. The power of transformation. C'est dans le message de Branham. It's in the message of Branham. Dans le message que nous croyons the message aujourd'hui. That we believe today. Il y a la puissance. There is the power. Quand tu lis là-bas, when you're reading there, on a dit qu'une femme doit être soumise. They say a woman gotta be submissive. Une femme doit être comme ça. Comme a woman ça. Gotta be like this, like that. Tu dis Seigneur, moi je me reconnais être you une say, femme. Lord, I recognize myself being a woman. Je veux que ceci s'applique. I want that to be in me. Parce que c'est ta parole. Because it's your word. Ah, vas-y prier. Go pray. Seigneur, aide-moi. Lord, help me. Ce que je viens de lire. What I just read. Que ça entre en moi. Let it be in me. Le Seigneur va le faire. The Lord will do it. Ça ne sera pas quelque chose de, du jour au lendemain. Won't be anything from the overnight. Ça peut prendre le temps. That can take time. Frère Branham a dit Dieu n'est pas pressé. Bible says God is not rushing. C'est nous qui sommes pressés. We're the ones who are rushing. Seigneur, fais ça demain, Seigneur. Lord, do it tomorrow. Quand ça n'arrive pas, tu es découragé. When it's not happening, you're discouraged. Dieu n'est pas pressé. God is not rushing. Dieu, il a déjà parlé. God already spoke. Que la lumière soit. Let the light be. Il rentre chez lui. He goes home. Le prophète dit. The prophet says. Ça pouvait prendre des millions d'années. That could take millions of years. Mais lui, il est calme. But he's at peace. Il sait que quand je parle, he knows when I speak, ça va arriver. That will come to pass. Rien ne peut empêcher à la parole de Dieu de s'accomplir. Nothing can prevent the word of God to come to pass. Ça ne peut pas manquer l'objectif, manquer le but. Non, ça ne peut pas. It cannot miss the target. Impossible. La Bible dit que la parole de Dieu. Bible said the word of God.
Quand ça descend, c'est comme une pluie. When it gets out, it's like the rain. Ça descend pour faire un travail. Gets down to do some work. Ça ne peut pas descendre et retourner sans avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. Go back without fulfilling the purpose it was sent for. Je suis le père des orphelins. I'm the father of orphans. Je suis le mari des veuves. I'm the husband of widows. Quand il a dit ça, il When a he dit. Said it, he said it. Il a dit. He meant it. Il ne va pas dire que I'm sorry. He wants to say, je m'excuse. Quand j'avais dit ça, I'm sorry. J'étais en train de faire l'essai. I was just trying when I said it. Non, il ne fait pas l'essai. No, he's not trying. Il le fait. He does it. Quand il dit, il va l'accomplir. When he says, he will fulfill it. Les capacités de notre Dieu. These are the capacities of our Quand God. Il parle, il réalise. When he speaks, he fulfills J'apprends it. J'apprends à faire confiance à la parole de I Dieu. I learn to trust in the word of God. Parce que ce que Dieu dit. Because what God says. Il va le faire. He will do it. Il a dit, je suis capable de donner ma vie. He said, I'm able to give my life. Et je suis capable de reprendre I'm ma vie. I'm able to take back my life. Il n'y a personne qui pouvait l'empêcher. No one could prevent it. Écoutez, même la pierre qu'on avait placée devant son tombeau. Even the stones they put in front of his tomb. Était incapable d'empêcher Dieu de sortir. Was unable to prevent God to come out. Personne ne peut empêcher à Dieu no one d'accomplir God son plan dans ta to vie. Fulfill his plan in your life. Ce que Dieu a décidé de faire. What God has resolved to do. Il n'y a personne qui peut l'arrêter. No one can stop it. Say amen. Il n'y a pas une épreuve. There's no trial. Tu peux arrêter le plan de Dieu dans ta vie. That can stop God's plan in your life. Non, il n'y en a pas. There is none. Ce que Dieu a décidé de faire. That God has resolved to do. Qu'il pleuve et qu'il neige. That rain may snow. Ça va se faire. That will come to pass. Ça va se faire. That will come to pass. Dieu avait dans son plan. God had in his plan. Qu'il allait tuer Pharaon par la It mer rouge. Pharaoh by the Red Sea. Peu importe la sagesse de Pharaon. No matter the wisdom of Pharaoh. Mais ça n'allait pas empêcher à Dieu de le tuer par It la mer rouge. Prevent God to kill him by the Red Sea. Parce que c'était la décision Because de Dieu. It was God's decision. C'est que Dieu a décidé sur What toi. God has resolved on Mon you. Frère, les cieux et la no terre passeront. Heaven and earth will pass away. Mais cette décision ne passera pas. But that decision will not ça pass va away. S'accomplir. That will come to pass. Ça va arriver. That will happen. Que vous le voulez ou pas. Whether we like it or il n'y a pas assez d'obstacles. There's not enough obstacles. Pour empêcher la parole de Dieu to prevent the word de of s'accomplir. God to come to pass. Il n'y a pas assez d'obstacles. There's not enough pour empêcher la promesse de Dieu the promise of God d'arriver à son enfant. To come to pass. Il n'y a pas assez d'obstacles. Not enough obstacles. Pour empêcher au Dieu du ciel d'agir dans la vie de sa fille bien-aimée. Le Seigneur fera toujours un chemin. The Lord will always make d'une manière ou d'une autre. One way or another. Le Seigneur accomplira sa promesse the dans Lord ta vie. Will fulfill his word in your même life. Si ça prend les années, even though it takes years, même si ça prend des siècles, even though it takes centuries, mais je sais une chose, I know one thing, c'est que ça arrivera. It's gonna come to pass. Et ça arrivera certainement. Gonna come to pass certainly. Il a dit même ton incrédulité, he said, your unbelief, ne peut pas arrêter Dieu. Cannot stop ton God. Incrédulité t'arrêtera toi. Your unbelief will stop mais yourself. C'est que Dieu a dit, what God has said, le Seigneur le fera. The Lord will do it. Même si tu essaies de le contourner, even though you try to bypass le it, Seigneur le fera. The Lord will do it. Et ainsi dit le Seigneur. And that say of the Lord, ça ne tombera pas. Will not fall. Ça va s'accomplir. That will come to pass. C'est Dieu qui a parlé. It's God who has spoken. Tu connais la promesse que Dieu t'a dit. You know the promise God tu made. Tu sais les promesses que Dieu t'a donné. The promises God gave you. Les cieux et la terre vont passer. Heaven and earth will pass away. Cette promesse-là ne va pas that passer. That promise will not pass away. Elle va s'accomplir. It will come to pass. Même quand tu es fatigué. Even when you're tired. Dans cette fatigue-là. In that tiredness. Le Seigneur manifestera sa gloire. The Lord will manifest His glory. Même quand tu es à court de prière. When you dans cet état-là. In that state, le Seigneur fera quelque chose. The Lord will do something. Parce qu'il est le maître des temps. He's the master of time. Et le maître des circonstances. And master of circumstances. Il est écrit dans le livre de Daniel. It's written in the book of Daniel. Il est celui qui établit les rois. He's the one who establishes the il king. Est celui qui déplace les the rois. One that is removing the king. Il est le Seigneur de gloire. He's the Lord of glory. Et il connaît nos vies. He knows our lives. Il te connaît plus que toi-même. He knows you better than yourself. Tu n'as absolument rien à lui cacher. You don't have anything to hide to him. Tu vas lui cacher quoi? What are you going to hide to it? Ta richesse. Your richness. Mais c'est lui qui t'a donné. He gave it to you. Tu vas lui cacher quoi? What are you going to hide? Tes erreurs. Your errors. Mais c'est lui qui te soutient. He's supporting you. Il connaît tout. He knows everything. Il connaît toute ta vie. He knows all your life. Le Seigneur connaît ma vie. The Lord knows my life. Il n'y a rien que nous pouvons faire. Nothing that we can do. Sans que Dieu ne le sache. Without God knowing it. Dieu connaît tout. God knows everything. Tu n'as rien à lui cacher. You don't have anything to hide tout to him. Tout ce que tu as à faire. All that you have to do. C'est d'être sincère envers is Dieu. To be sincere toward God. Seigneur, je suis désolé. Lord, I'm je sorry. Suis tombé encore. I've fallen Seigneur, again. Je suis désolé. Lord, I'm je sorry. N'arrive pas à faire ça, ça, I ça, can't ça. Do this and that. Seigneur, aide-moi par ta grâce. Lord, help me by your grace. Il est le secours. He's the help.
L'esprit ne manque jamais dans la détresse. Always present in time of trouble. Quelqu'un est dans la détresse? Is somebody in trouble? Le secours est juste à côté de toi. Help is close to you. Et le véritable secours? And the true help. Ça ne viendra pas des hommes. Not come from the men. Mais ça viendra de l'Éternel. But it's coming from the Lord. Le Dieu qui nourrit les oiseaux. The Lord that feeds the birds. Le Dieu qui prend soin des animaux sauvages. He takes care of the wild animals. Il prend soin de tous les poissons dans la mer. Take care of all the fish in the sea. Il sait comment prendre soin de ses enfants. He knows how to take care of his children. Il connaît tout ce que tu as besoin. He knows all that you need. Il va te l'offrir à son temps. He will give it to you in his time. Pas à notre temps. Not in our time. Mais à son temps. But in his time. Il connaît ce qu'il fait. He knows what he does. Il sait ce qui est meilleur. He knows what is best. Il va l'accomplir. He will do it. Amen. Amen. Tout ce que nous avons à faire. All that we have to do. C'est de nous abandonner à lui. Is to surrender to him. Seigneur, je m'abandonne. Lord, I surrender myself. Je m'abandonne. I surrender myself. Seigneur, je m'abandonne. Lord, I surrender. Aide-moi, Seigneur. Help me, Lord. À m'abandonner complètement. To surrender completely to you. Aide-moi. Help me. À manifester Dieu dans ma vie. To manifest God in my life. Seigneur, aide-moi. Lord, help me. Que mes pensées ne vivent plus. Don't let my thoughts live. Que mes pensées n'existent plus. Don't let my thoughts be. Je veux que tes pensées. I want your thoughts. Puissent devenir mes pensées. Become my thoughts. Je veux que toi, Dieu. I want you, God. Tu puisses avoir la première place en moi. The first place in me. Avant tout ce qui est de moi, Seigneur. Before all that is of me, Lord. Je veux que ça soit toi. I want it to be you. Avant ma propre vie. Before my own life. Je veux que ça soit toi. I want it to be you. Avant que je pense à moi-même. Before I think about myself. Seigneur, j'ai besoin de penser à toi. Lord, I need to think about you. Et tu es seul, tu ne le sauras pas. Alone, you won't be able to do it. Quelqu'un qui est fort. You need someone who is strong. C'est quelqu'un là, c'est le Seigneur Jésus. That someone is the Lord Jesus Christ. Donnez-lui un peu des acclamations ce soir. Give him applause. Être transformé. Be transformed. Dieu a transformé la terre. God has transformed the earth. Selon ses propres pensées. According to his own thoughts. Il n'avait pas un assistant. He didn't have any assistant. Il n'avait pas un conseiller. He didn't have any advisor. Mais il avait tout dans ses pensées. He had all in his thoughts. Toutes les choses étaient dans ses pensées. All was in his thoughts. Il savait ce qu'il faisait. He knew what he was doing. Amen. Amen. Quand il a dit que la lumière soit. When he said let the light be. Même la lumière. Even the light. Ne savait pas ce qui allait venir après. Didn't know what would come next. C'est lui seul qui savait. Only him knew. Il dit que la lumière soit. He said let the light be. Il dit maintenant je sais. He said now I know. Parce que sans lumière, because without the light, les fleurs là ne seront pas sorties. Those flowers cannot blossom. Ne seront pas poussées. They won't be able to grow. Il faut qu'il y ait le soleil. It takes the sun. Le Seigneur fait toutes choses. The Lord does everything pour notre bien. For our good. Il sait ce qu'il fait. He knows what he does. J'ai réfléchi. I thought a lot. J'ai écrit sur internet que le bon nom de notre Dieu soit béni à jamais. I wrote on the internet, let the good name of the Lord be blessed forever. Parce que tout ce qu'il fait, because all that he does, c'est parfait. Is perfect. Même si je ne les comprends pas ce then soir. I don't understand it tonight, mais c'est parfait. But it's perfect. Demain je les comprendrai. Tomorrow I will understand même it. Si demain je ne les comprends tomorrow pas. I don't understand c'est it. Toujours parfait. It is still perfect. Après demain je les comprendrai. Next day I will understand. Mais tout ce que Dieu fait. All that God does, c'est parfait. It's perfect. Mais pasteur c'est dur. Pastor, it's rough. Oui c'est dur pour moi et toi. Yes, it's hard for you and that. Mais pour notre Dieu. But for our God, c'est parfait. It's perfect. Quand il a créé le soleil. When he created the sun. Hey. Et lui-même il a regardé. Himself looked. La beauté du soleil. The beauty of the sun. Il a dit j'aime ça. He said I love it. Il a dit tout est bien. He said all is good. C'est bon. It's good. Il crée la lune. He creates the moon. Il dit c'est bon. He says good. Il crée toutes les choses. Creates everything. Dieu regarde il dit. God looks he says. C'est bon. It's good. Quand il t'a créé toi. When he created you. Dieu s'est félicité lui-même. God congratulates himself. He said, j'ai créé l'homme à mon image. I've created the man at my image. À ma ressemblance. In my own likeness. C'est bon. That's good. Je pars me reposer. I'm going to rest. Tout ce que Dieu fait dans nos vies. All that God does in our lives. Nous ne le comprenons pas. We don't get it. Mais c'est bon. But it's good. C'est yes, parfait. It's perfect. Amen. C'est parfait. It is perfect. Parce que c'est lui qui connaît notre lendemain. He knows our tomorrow. Amen. Amen. C'est bon. Frère Branham en parle. Brother Branham speaks about it. Il parle de l'histoire de ces rois. He speaks about the story of that king. Yes, yes, yes.
Il dit ce roi était chez lui. He said that king was at his place. Il voulait aller à la chasse. Wanted to go hunt. Il appelle son garde. He's gonna call his guard. Il dit à son garde là du corps. His guard, his bodyguard. Il dit, arrange pour moi l'arme. He said, fix for me the weapon. Et nous allons partir à la guerre. And we'll go to hunt. Et pendant qu'il était en train d'arranger là, while he was fixing it, la balle est sortie. The bullet come out. Elle a cassé la dent du roi. It broke the tooth of the king. Et le roi regardait. And the king was looking. Mais pourquoi c'est arrivé? He said, why has this happened? L'homme a dit, tout est bon. The man said, all is well. All is well. Tout est bon. Tout est bon. All is well. Mais pourquoi seulement ma dent est cassée? Why only my tooth is broken? C'est bon. It's well. Ils sont partis à la guerre. They went to war. Arrivés à la guerre. When they got war. C'était grave. It was serious. Le combat était grave. The combat really was serious. Dans ce pays là, in that land, les gens là, those people, ils bouffent les gens. They eat people. Sauf les gens qui ont la dent cassée. Except the people who have a broken tooth. Si tu as la dent cassée, when your tooth is broken, même s'ils arrivent à t'avoir, fait those can get to you now. Ils ne vont pas te bouffer. They won't eat you. Ils sont arrivés là. They got there. Tout est bien. All is well. All is well. Tout est bien. Quand ils sont arrivés dans ces pays-là, when they got to this land, quand on bouffait tout le monde, when they were eating everybody, ils ne pouvaient pas bouffer ces messieurs. They could eat that man. Parce que, because sa dent était cassée. He had a broken tooth. Mais c'est Dieu qui a permis ça. His God was allowed it. All is well. Tout est bien. All is well. Tout est bien. J'ai une prédication que j'ai préparée pour. I have a sermon I was preparing to preach. Quand j'ai lu frère Branham, when I read brother Branham, frère Branham a dit, brother Branham said, nous ne pouvons pas, we cannot enjoy a good health. Nous ne pouvons pas nous réjouir d'une bonne santé si la maladie n'existait pas. If there is no sickness. Il faut des fois que tu aies des maux de tête. Sometimes you must have headaches. Tu as la souffrance dans le corps. You have pains in your body. Alors quand Dieu va te guérir, when God is going to heal you, tu diras, oh, you're going to say, c'est comme ça que être en bonne santé. This is what is to be healthy. Je dois louer Dieu encore très bien. Let me praise God some more. Yes. Amen. Yes, sir. Amen. 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 Faut de temps en temps aussi que les nuages soient là. The clouds have to be there. Ça empêche le soleil. Prevent the sun. Tu pleures un peu. You cry a little bit. Pour que quand ça partira, quand le soleil va sortir, when the sun is tu vas gonna rise, admirer la beauté du soleil. You will admire the beauty. Tu vas t'asseoir sur le même trône que Jésus. You're gonna sit on the same throne as Jesus. Jésus a vaincu. Jesus overcame les difficultés. Difficulties. Les épreuves. Trials. Les troubles. Troubles. Jésus a vaincu. Jesus overcame. Il a dit c'est lui qui vaincra. He said whoever will overcome. Il va s'asseoir. Will sit. Avec moi. With me. Sur le même trône. On the same throne. C'est lui qui vaincra. The one who will overcome. Ça veut dire qu'on doit vaincre. That means we have to overcome. Come on somebody. Yes. 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 C'est lui qui vaincra. Whoever will overcome. Il va s'asseoir avec moi sur mon trône. Will sit with me on my throne. Ça veut dire qu'on doit vaincre. That means we must overcome. Et on ne peut vaincre que dans un combat. We can overcome in the combat. Le combat sera là, bien-aimé. The fight will be there, beloved one. Et nous devons vaincre. We have to overcome. Nous devons vaincre. We have to overcome. Samuel. Samuel. On doit vaincre. We have to overcome. Les problèmes sont là. The problems les tentations are there. Sont là. Temptations are les there. Épreuves sont trials là. Are there. Mais tu dois rester ferme dans la parole. You have to stay firm to the parce word. Qu'avant toi, il y a quelqu'un qui a vaincu. Before you, someone overcame. Ma soeur. My sister. Détrompe-toi. Don't fool yourself. Ton problème là, tu n'es pas la première personne à vivre ça. You're not the first one to go through that situation. La Bible dit dans Ecclésiaste. Bible says Ecclesiastes. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nothing new under the sun. Ce qui est, c'est ce qui a été. What is that what was? Et ce qui sera, c'est ce qui est. What will be that what is? Ce que tu es en train de traverser what là. What you're going through. Il y a une femme comme toi qui l'a traversé. A woman like you went through it. Si cette femme a vaincu. If that woman overcame. Et qu'au ciel, il aura une grande place. She's gonna have a great place in toi, heaven. Tu n'iras jamais. Comme un lâche. You won't go as a coward. Tu dois aussi vaincre. You must overcome. Pour avoir un témoignage.
to have a testimony. Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont vaincu pour avoir un témoignage. As they live to have a testimony. Au ciel, tu diras, oh le Dieu de Daniel. In heaven, the God of David. Le Dieu de Shamgar. God of Shamgar. Oh le Dieu de David. God of David. Mais chacun sera là. Each one will be there. Il parlera de lui-même. He's going to talk about. Toi aussi, tu as besoin d'avoir un témoignage. You need to have a testimony. Quand on parle du Dieu d'Abraham, when you talk about God of Abraham, c'est parce qu'Abraham avait tenu bon. Abraham held tight. Il est resté le seul croyant. He stayed the only believer. Il a cru à la promesse de Dieu. Believed in the promise of God. Chacun de nous doit croire. Each one of us has to believe. Il doit se tenir au front. Has to stand upon the front. Peu importe la bataille. No matter the battle. Que ça soit dans ton foyer. Let it be in your household. Que ça soit par tes voisins. Or by your neighbors. Que ça soit venant de l'église. Coming from the church. Mes frères, tu dois vaincre. You have to overcome. Et en toi, tu as placé les capacités de vaincre. God placed the capacity to overcome. Tu ne vaincras pas avec des murmures. You won't overcome with murmurs. Tu ne vaincras pas avec des complaintes. With complaints. Mais tu vaincras avec la généalogie. You overcome with your knees. Tu dois être sur tes genoux. You on your knees. Toujours dans la prière. All the time pray. Parler de ces problèmes, c'est bien. Speaking about the problem. Mais ta bouche ne changera pas ces problèmes. But you won't change it like tu this. Tu as besoin de te mettre sur tes genoux. You need to get on your knees. Seigneur, aide-moi. Lord, help me. Seigneur, soutiens-moi. Lord, support me. Seigneur, donne-moi la victoire. Lord, give me the victory. Il est la force des faibles. He's the strength of the weak. Il soutient ceux qui n'ont pas d'espoir. He supports those quand tu arrives contre l'ennemi, when he gets against the wall, c'est là que lui il s'élève. That's when he's going to rise. Et il commence à t'aider. And he's helping you. Quelqu'un peut me dire amen à ça. Can I get your amen? Jésus avait tous les plans dans sa tête. Jesus had all the plans. Les plans de ce monde que the nous vivons. The plan of this world that dans lequel nous vivons. In which living in. Jésus en avait. Jesus had it. Et le plan de ta vie. And the plan of your le life. Le Seigneur en a. The Lord has it. Que tu le veuilles ou pas. Whether we like it je or not. Je me saurais de te le dire. I feel happy to tell you. Que le Seigneur les connaît. The Lord knows it. Tous tes plans c'est bien. Le Seigneur connaît. The Lord knows. Il sait ce qu'il va réaliser he dans ta vie. He knows what he's going to do in your life. Quelqu'un peut me dire amen à ça. Can I get your amen? Peut-être que ce que tu vois, tu dis oh non, je ne m'attendais pas à ça dans ma you vie. You said I didn't expect that in je my life. Je ne m'attendais pas à ça dans I ma did vie. I didn't expect that in tu my life. Tu ne peux pas attendre à ça parce que tu es un humain. You can't expect it because tu you're a human. Tu ne sais pas voir ce qui est réservé pour toi. You can't see what is kept mais for you. Mais le Seigneur connaît but chaque étape de ta vie. Knows each step of your life. Et chaque chose qui arrive a une raison d'être. There's a reason to be. Quelqu'un peut dire amen à ça. Can I get your amen? Amen. Si ça ne vient pas. If it's not coming. Comment tu sauras que Dieu est bon pour toi? How would you know God is good to you? Il y a pas moyen. No way. Et pourtant Dieu est bon. Why God is good? Dieu est bon. God is good. Dieu est bon. God is really good. Ce que Dieu fait pour nous. What God does for us. Tu ne le comprendras pas. You won't understand it. You will never understand it. Tu ne comprendras jamais cela. Des fois quand Dieu nous regarde. Sometimes when God looks at us. En train de nous complaindre. Complaining. Même lui ne comprend pas. Il dit, even him doesn't understand. Enfant. He says, what's going on with this child? S'il savait ce que je lui réserve. If he knew what I was keeping for him. S'il savait la bénédiction qui est sur son chemin. If he knew the blessing on his way. Même toi-même tu ne le sais pas. Even yourself you don't know it. Tu ne le sais pas. You don't know it. Le Seigneur le sait. But the Lord knows it. Le Seigneur le sait. The Lord knows it. Father Branham said. Brother Branham said. God is in the healing business. Dieu est dans le business de la guérison. Il fait le business de guérir. Yes, the healing business. Vous comprenez ça? Do you understand that? Vous voyez les gens qui vendent les cercueils. You see people who are selling the coffins. Leur prière c'est quoi? What is their prayer? Chérie, honey, ces jours-ci on n'a pas d'argent. These days we don't have money. Pour payer les Minerva. To pay the tuition. Il faut prier. We have to pray. Que le Seigneur nous envoie des clients. For the Lord to send us clients. Pour que nous ayons l'argent. So we can have money. Pour que notre commerce avance. So our business can go move nous forward. Nous avons commencé avec des caisses. We started with just the two on coffins. On doit atteindre 20. Gotta get to 20. On doit atteindre 50 caisses. Gotta get to 50. Ce qu'il fait là. What he does. Il prie Dieu pour que Dieu fasse quoi? He prays God so God can do what? Que les gens meurent. So people can die, right? Lui il est là quand on dit oh non. He's there when they say no. No go kufi. The uncle is dead. Quand vous pleurez là, no go. When you cry, hey uncle. He said, here's the coffin. Here's the coffin. Cercueil yango. Here's the coffin. Et vous voyez là, j'ai vu. Sur Facebook. I've seen on ils Facebook. Ils mettent la radio à l'intérieur. Ils mettent la télévision à l'intérieur. They put the TV, even the radio inside the coffin. On demande à cet homme-là, pourquoi tu as mis they ça? Ask that man, why did you put it in there? Il a dit, non, quand on va mettre les cadavres à l'intérieur. So when they put the body inside. Et on met la musique là. They put the music. On met même ses photos comme ça, ça passe. Put even his pictures so they can pass.
Ils sont en train d'embellir les cercueils. They putting the beauty in the coffin. C'est le business. That's a business. Que les gens puissent mourir. Let people die. Pour que lui puisse avoir l'argent. So he can get money. All right? Yeah. Maintenant dans ton Dieu. Not in your God. Il a les attributs d'un guérisseur. He has the attributes of a healer. D'un sauveur. Of a savior. Il a tout ça en lui. He has all that in him. D'un pourvoyeur. Of a provider. Il est Jehovah Jireh. Il est Jehovah Jireh. Il fait ce business là. He's in that business. Maintenant sa prière sera quoi? Now what would be his prayer? Mais ça sera la même chose. Be the same thing. Il faut que tel là soit malade. Il doit être malade. Such must be sick. Là lui il t'attend. There is waiting for you. Il attend. He's waiting. Il veut que tu dis Seigneur. Seigneur. He wants you to say Papa, Lord. Papa aide-moi je suis malade. Là lui il est sick. Content. There is happy. Il descend avec sa bistouri. With, le problème c'est où? On est dans l'estomac. The il commence à déchirer ça. Sans cicatrice il enlève. Scarless, quand il te guérit toi tu es content. When he heals you, you're Seigneur happy. Merci Papa. Lord, thank you, Seigneur daddy. Vie éternellement. Lord, live forever. Là lui dit ok. They say, okay. All right. Je suis le vrai docteur. I'm the true doctor. C'est ça son travail. That is work. Le Seigneur a besoin que tu traverses le moment dû. The Lord needs you to go in a rough situation. Pour que lui seul vienne t'assister. So he can come help. Pour que lui manifeste son attribut d'un guérisseur. Manifest his attribute of healer. Des fois les problèmes c'est bien. Sometimes the problem is good. Comme un homme a dit, tu regrettes des fois. Perhaps say you sorry. Pourquoi j'étais même dans les bars? Why was I was c'était in the bar? Très important pour that toi. Was really important to you. Parce que Dieu doit venir because pour t'assister. God must come to help you. C'est très important. It's really important. Si tout le monde est saint. If everybody's holy. Alors cette attribut de sauveur. That attribute of savior. Ça sera comment? How is it going to be? Si le péché n'était pas entré. If the sin wasn't there. Parce que Dieu avait permis que Adam puisse tomber. God allowed Adam to fall. Quelqu'un peut me dire amen can à ça? Amen. Ce n'était pas par hasard. It wasn't by chance. C'est Dieu il n'y a pas d'hasard. If God has no chance. C'est Dieu qui a autorisé Adam. If God who authorized Adam. D'atteindre ce niveau là. To get to that level. C'est Dieu qui a permis de le chasser dans les jardins. If God who allowed him to be. Et c'est Dieu qui a promis le sauveur. God promised the savior. Quelqu'un peut me dire amen? Can I get an amen? Il a promis que Jésus allait venir. He promised Jesus would come. Pour sauver la race humaine. To save the human kind. C'est dans son plan. That is his plan. C'est ce qu'il veut. That's what he wants. Des fois il nous laisse dans les problèmes. He's gonna leave us in trouble. Il nous laisse dans les épreuves. He's gonna leave us in trial. Pour que nous puissions crier à lui. So we can cry to him. Seigneur, j'ai besoin de toi. Lord, I need you. J'ai besoin de ton soutien. Lord, I need your support. Je n'arrive plus à encadrer les enfants. I can't take my children. Seigneur, j'ai besoin de toi. Lord, I need you. Pour la paix dans mon foyer. For the peace in my household. Seigneur, j'ai besoin de toi. God, I need you. Alors là, il va s'élever. He's gonna rise. Lui, le général à 5 étoiles. Quand il descend dans ton affaire, when he gets down in your business, va crier contre le vent. He'll shout against the il wind. Va crier contre la tempête. He'll shout against oh, the alléluia. Storm. Il va dire silence. He'll say, shut up. Tais-toi le vent. Hush up. Et la tempête doit lui obéir. The storm can obey la him. Tempête obéit à la voix de son créateur. The storm obeys to the voice of his creator. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Ça fait du bien de comprendre ce mystère. That's good to understand that mystery. Il faut que le vent soit là, que la tempête soit là. When the storm is there. Jésus savait ce qui allait arriver. He didn't know what would happen. Pendant qu'il était en train de dormir dans la barque. And he was sleeping in the ship. Il voyait ce qui arrivait. He could see what was happening. Et Jésus ne pouvait pas mourir ensemble avec eux. He could not die with them. Come on, church. Yes. Dieu ne peut pas mourir dans ta maison. God cannot die in your house. Dieu ne peut pas être brûlé dans ta maison. God cannot be burnt in your house. Quand les problèmes arrivent, il va se réveiller. When the problem is going to rise. Que tu le veuilles ou pas. Whether you want him or not. Le Seigneur va se réveiller. The Lord will rise. Il va venir un temps. He's gonna où have Dieu a time. Mettra la paix. God will put the peace. Il se réveillera. He's gonna wake il up. Dira au silence. He says shut up. Il dira vent silence. He says shut up. Tempête calme-toi. Storm shut up. Il dira allez tais-toi vent. He says shut up you win. Tais-toi silence. Shut up. Que le calme puisse régner. Let the peace be there. Les gens se sont étonnés. People were amazed. Qui est cet homme de Jésus? Who is that man of Jesus? Même la nature lui obéit. Even the nature obeys him. La nature l'obéira. The nature will obey him. Ta vie doit l'obéir. Your life must obey. Je parle à quelqu'un ce soir. I'm talking to someone tonight. Quelque chose doit lui obéir. Something must obey him. Je parle de ta marche spirituelle. I'm talking about your spiritual walk. Something must obey God. Quelque chose doit obéir à Dieu. Ton esprit doit s'incliner devant Dieu. Your spirit must bow in front of God. Quelqu'un peut me dire amen à ça? Can I get your amen? Tu dois t'incliner devant le roi du ciel. You have to bow down in front of the king. Il a besoin que tes genoux soient par terre. You want your knees to be down. Il a besoin que tu pries encore. He wants you to pray again. Parce que tu n'as pas prié assez. Because you haven't prayed enough. Amen. Amen. Arrêtons d'avoir des réactions humaines. Having the human reaction. Quand les problèmes arrivent. When there's a problem. Oh Seigneur, tu m'as laissé. Oh Lord, you left oh, me. Oh Seigneur, que je meurs. Lord, let me die. Oh Seigneur. Lord. Oh Seigneur. Oh Lord. Mais le Seigneur fera quoi? What will the Lord do?
C'est lui qui a permis que ça arrive. He's the one who permitted it to happen. Il sait le pourquoi. He knows why. Il veut te rapprocher dans la prière. He wants you to bring you closer in the prayer. Il veut te rapprocher dans la prière. He wants you to come closer in the prayer. Il veut que tu sois une femme de prière. He wants you to be a woman of prayer. Une femme qui connaît la Bible. A woman who knows the Bible. Le Seigneur le connaît. The Lord knows it. C'est pourquoi il laisse que cela arrive. That's why he let that happen. Écoutons, allez-vous un peu nos côtés humains. Let me move our human side. De penser au pourquoi Seigneur. To think why Lord, Lord why? Croyons aussi que c'est Dieu qui le fait. Let's believe that God is doing it. God is doing it. C'est Dieu qui le fait. Dieu est en train de le faire. God is doing it. Parce qu'il nous apprend quelque chose. Because he's teaching us something. Amen. Amen. Frère Branham dit comment moi. Brother Branham say how am I? Je voudrais. I'd like. Aller au ciel sur un lit. To go to heaven on the on a bed. Doré, fleuri. Golden with alors flowers. Alors que d'autres. While others. Ils étaient morts. They died. D'autres. Others. Femmes. Women. Toi tu pleures seulement pour un peu de problèmes que tu as. You cry for the small problem that you have. Il y a des femmes. There are some women. Qu'on a ouvert le ventre. They opened the belly. Sans anesthésie. With no anesthesia. On fait sortir l'enfant. They take out the child. Sans anesthésie. With no anesthesia. C'est pas de la blague. That's no joke. Il y a d'autres qui ont souffert. Other people really pas have à cause time. Not because of themselves. Mais à cause de ces messages. But because of this message, c'est à vrai. Cause de la parole. Because of the word, c'est il y a vrai. Des chrétiens qui ont souffert. Some Christians suffered. Nous crions la souffrance, des fois c'est pas une souffrance. We cry suffering, sometimes not even suffering. Mais il y a des chrétiens qui ont souffert. There are some Christians who suffered. Des gens qui ont payé qui en ont ils ont payé de leur vie. They paid of their lives. That's right. Ils ont souffert. They suffered. Amen. Amen. Nous lisons ça. We read it. Frère Branham parle dans les Brother Branham is talking about it in the church ages. Ils ont tué les chrétiens. They killed the Christians. Toi, on t'a pas tué. You, they didn't even kill you. On a tué des chrétiens. They killed Christians. Ils les ont souffert. They suffered. Le prophète dit même la Bible qui nous avons. Even the Bible that we have. Pour écrire la Bible. To write the Bible. Il fallait quoi? It took what? Il fallait quoi? Took what? Des martyrs. The martyrs. Il fallait des martyrs. It took martyrs. Il y a les gens qui ont donné la vie. Some people gave life. Il y a les gens qui ont souffert. Some people suffered. Pour que nous ayons des témoignages. So we can have the testimonies that we preach. Il y a des gens qui ont souffert. Some people really suffered. Amen. 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 C'est vrai. Je veux que nous puissions avoir du courage. I want us to have courage. De remercier Dieu à chaque instant. To thank God all the time. Pour tout ce qu'il fait pour nous. For all that he does for us. Parce que ce qu'il fait pour nous. Because what he does for us. C'est bon. It's good. C'est bon. It's good. C'est bon. It's good. On ne comprendra pas. We'll never understand him. Mais c'est bon. But it's good. Ça devait arriver. It should happen. Pour que tu comprennes qui est tout autour. So you understand who is all around you. Sinon, tu ne comprendras pas. Otherwise, you won't understand. Tu fais confiance à tout le monde. You trust everybody. Tu ne sais pas qui est qui. You don't know who is who. Tu marches. Dieu te montre ça de plusieurs manières, mais tu t'entêtes. But you get stubborn. Alors, Dieu dans sa miséricorde. God is in mercy. Il te permet de faire quelque chose. He permits you to do something. Il permet seulement que quelque chose arrive. Permit something to happen. Et tu commences à découvrir les gens. You start discovering people. Et leur nature. And their natures. Tu dis, hey. C'est là. Il était comme ça. That's how he was. Mais moi je le voyais seulement avec la Bible. I thought that he had that the Bible. Je ne pouvais jamais penser que tel pouvait être comme I ça. I couldn't think that such could be like this. Mais tu le penseras comment si ces problèmes n'arrivent how pas. How would you think if that problem doesn't happen? On doit dire merci à Dieu pour les épreuves. We ought to say thank you to God for the trials. Right, Sister Henriette. On doit dire merci à Dieu. You have to say thank you to God. Quand ça arrive, tu regardes. When it happens, you look. Comment c'est qui pire, Nat? That was my real friend, right? Il était vraiment mon proche ami. He was my close friend. Mais comment il a fait ça? How could he do that? Ça montre que seul Jésus. That shows only Jesus. Et l'ami fidèle. He's the faithful friend. Seul Jésus. Only Jesus. Qui ne peut pas trahir. Cannot betray. Seul Jésus. Only Jesus. J'ai appris une leçon dans ma vie. I learned a lesson in my que life. Seul Jésus. That only Jesus. Il est un ami fidèle. He's a faithful friend. Un ami qui n'abandonne personne. A friend who doesn't abandon anyone. Un ami qui ne change pas les gants. A friend doesn't change the side. Quand il t'a choisi, veut dire il t'a choisi. When he chose you, that means he chose you. Seul Jésus. Only Jesus. C'est pourquoi je lui ai dit, je dois beaucoup chanter pour toi, Jésus. That's why I say, I gotta sing a lot for you, Jesus. Seul toi, Jésus. Only you, Jesus. Un ami fidèle. A faithful friend. Seul toi, Jésus. Only you, Jesus. Mon sungi yakoka moi. The help. Seul toi, Jésus. Only you, Jesus. Le bon consolateur. The good. Seul toi, Jésus. Comfort, only Jesus. Le seul qui peut aider. The only one who can help. C'est seul Jésus qui peut comprendre le cœur de quelqu'un. Il peut comprendre ce qui est en toi. C'est seulement Jésus. L'homme, c'est Jésus. The man is Jesus.
C'est seulement Jésus, frère. Only Jesus, brother. Non, c'est pas le pasteur. Not the, no. C'est pas l'évêque. Not the bishop. Ce n'est pas un homme sur la terre. No man on the earth. C'est seulement Jésus. Only Jesus. C'est Jésus qui te comprend mieux. Jesus will understand you. Parce que lui, il habite dans ton cœur. Because it's in your heart. Il comprend les intentions de he ton cœur. He understands the intention of your heart. Fais de lui tes délices. Make of him your delight. Il te donnera ce que ton cœur a besoin. He'll give you what your heart desires. C'est seulement Jésus qui est l'ami fidèle. Only Jesus is the faithful friend. I love friend. To call him a faithful friend. J'aime l'appeler l'ami fidèle. He's the faithful friend. C'est un ami fidèle. He's a faithful friend. Un ami qui n'abandonne pas. A friend who doesn't abandon. Un ami qui te suivra dans les problèmes. Will be in you in the problem. Même quand tout le monde te rejette. When everybody will reject Jésus you. Ne te rejettera jamais. Jesus will never reject you. C'est la vérité. Jamais. Never. Ah, je te parle avec assurance. I'm talking to you with assurance. Je te parle avec conviction. Speaking to you with conviction. Que je ne changerai jamais ma parole. I will never tell c'est my seulement word. Jésus. Only Jesus. Un ami qui te suivra. A friend that will même follow dans you. Le péché. In the sin. Dans la profondeur du péché. In the depth of sin. Là où tout le monde veut lancer les pieds sur toi. Will cast a stone c'est seulement you. Jésus qui s'élèvera. Only Jesus will write. Et il écrira des paroles sur la he's terre. Gonna write the word on the earth. Qui condamnera même le prédicateur. And he condemn even the preacher. C'est seulement Jésus qui voit les cœurs. Only Jesus sees the heart. Seulement Jésus connaît les intentions. Only Jesus knows the intents. J'apprends à l'aimer encore. I learn to love him again. Et de rester calme dans mes problèmes. And to stay quiet de in rester my calme dans mes combats. Stay quiet in my parce combat. Que je sais qu'il se lèvera. I know he's gonna rise. I know my redeemer lives. Je sais que mon rédempteur est vivant. He shall rise someday. Il va se lever un il jour. Il se lèvera un jour. Il va se lever. Ça, je le sais de tout mon cœur. I know that we don't même si je ne le comprends pas aujourd'hui. No, I don't get it today. Même si aujourd'hui c'est flou. Even though today is blurry. Demain ça sera clair. Tomorrow it's gonna be clear. Il va se lever. He will rise. Il va te donner raison. He will give you the il right. Va faire ta justice. He will make your righteousness. J'aime parler de lui. I love to talk about him. Quand je parle de lui, ça fait du bien. When I talk about him, it's good. C'est seulement Jésus qui ne change pas de nature. Only Jesus doesn't change his nature. Il garde la même nature qu'il a toujours eu. He has the same nature. Mais la Bible dit. Bible says. Il est là à la colère. He's slow in anger. Jésus pardonne. Jesus forgives. Et quand il pardonne, il oublie. When he forgives, he il forgets. Il met ça dans la mer de l'oubli. He put it in the forgetting. Même lui-même, il ne se souvient plus de ça. He won't remember it himself. Voilà l'homme. That's the man. Voilà le Dieu que je veux. That's the God I want. Un homme bon. A good man. Comme lui. Like him. Ils ne sont pas deux. And we don't have two. C'est seulement lui. Only him. Quand tu es faible, il te transporte. When you're weak, he carries you. Quand tu es dans les soucis, il te console. When you worry, comfort you. Quand tu es malade, il te guérit. When you sick, he heals c'est you. Seulement Jésus. Only Jesus. C'est seulement lui. Only him. L'ami fidèle. The faithful c'est friend. Seulement lui. That's only c'est him. Seulement Jésus. Only Jesus. Il n'a pas de concurrent. Doesn't have competitor. C'est seulement Jésus. Only Jesus. Il te comprend plus que ton mari. He understands you better plus than your que tes enfants. Better than your plus que ton père. Better than your father. Plus que ta mère. Better than your mother. Plus que ton pasteur. Better than your pastor. Plus que ton voisin. C'est seulement Jésus. Only Jesus. C'est seulement Jésus. It's only Jesus. C'est seulement Jésus. It's only Jesus. Tu dois lui donner une grande place dans ton cœur. You have to give him a great place in your heart. Parce qu'il t'aidera toujours. Because he's going to help you all il the time. Il aide ceux qui sont sans aide. He helps those who are helpless. Il aide les rejetés. He has the rejected ones. Il soutient les faibles. Supports the weak. Il soutient les faibles. Supports the weak. La Bible dit il connaît de quoi nous avons Bible été formés. Says, he knows what we made. Il sait made. Que nous sommes la poussière. He knows we the dust. La Bible sait. La Bible dit qu'il sait. Bible says he knows. Que nous sommes la poussière. We are the dust. Et il sait les projets qu'il a formés pour chacun de nous tel que nous he sommes. Ce sont les projets de paix et non le projet de malheur. C'est Dieu qui mérite toute la gloire. Il est un Dieu qui est bon frère. Un Dieu qui est merveilleux. Wonderful God. Simplement merveilleux. Only wonderful. Le docteur de tous les docteurs. Doctor of doctors. Il est le géant de tous les géants. He's the giant of le all the plus bon d'entre 10 000. Il est l'alpha et l'oméga. La racine et le rejeton de David. The root and offspring of David. Il est le Dieu des dieux. He's God of God. Il est le prince de paix. He's the prince of l'admirable. The admirable. Conseiller, advisor, Père éternel, everlasting Father, Prince de paix, Prince of Peace, l'admirable, the admirable, il est merveilleux, he's wonderful, Prince de l'ordre, hallelujah, quand Manoac et sa femme, oh, more than his wife, Manoac et sa femme, and Manoac and quand his ils wife. Ont croisé cet homme, when they met that man, il a dit donner un sacrifice, they give a sacrifice, ils ont donné un sacrifice they à cet homme, sacrifice to this il a pris le sac
sacrifice. He took the sacrifice. Ils lui ont demandé. They asked him. Mais c'est quoi ton nom? What's your name? Il a dit, vous voulez savoir mon nom? You want to know my name? Tu voulais savoir mon nom? You want to know my name? My name is wonderful. Mon nom est merveilleux. Mon nom c'est merveilleux. My name is wonderful. Son nom c'est merveilleux. His name is wonderful. Quand Esaïe a vu la vision. When Isaiah saw the vision. Quand Esaïe devait parler. When Isaiah was to talk. Esaïe a dit. Isaiah said. Un fils nous est donné. A son is given to us. Un enfant nous est né. A child is born. On l'appellera. We'll call him. L'admirable. The admirable. Conseiller. Père éternel. Everlasting Father. Prince de paix. Prince of peace. Il a cité tous les noms qu'il voulait. He said all the names he wanted. Et jusqu'à ce que le vocabulaire ait terminé. Until he didn't have any more words. Il est simplement. He's just merveilleux. Wonderful. Il est merveilleux. He's wonderful. Ce soir il est merveilleux. Tonight he's wonderful. Mais pour ton problème. For your problem. Il est simplement merveilleux. He's wonderful. Son nom. His name. C'est merveilleux. He's wonderful. Il est merveilleux. He's wonderful. Il fait de merveilles. He does wonders. Mais Dieu de merveilles. God of wonders. Il fait des choses qui étonnent. He does things that wonder. Il fait des choses que personne ne comprend. That things that no one will understand. Mais Dieu de victoire. God of victory. Mais Dieu de toute bonté. God of all goodness. Mais Dieu qui peut ouvrir la mer. God that can open the Mais sea. Mais Dieu qui peut sauver son peuple. God can save his people. Il peut traverser la mer à sec. Cross the sea. Mais Dieu qui combat pour les saints. God that fights for Et the saints. Et les saints ont toujours eu la victoire. The saints always have victory. Et Dieu qui ne recule jamais God dans la never bataille. Step back in the Il fait de nos combats ces combats. Next of our combat Il fait de nos combats ces combats. Il fait de mes combats ces combats. Il fait de tes combats ces combats. Il est l'admirable. Il est l'admirable. Quand tu le regardes, when you look at him, tu dois l'admirer. You gotta admire him. Tu dois l'admirer. You have to admire him. God of wonders. Dieu de merveilles. Le Dieu de merveilles. God of wonders. Un Dieu grand. A great God. Un Dieu fort. A strong God. Plus fort que tous les esprits. Stronger than all the spirits. Qui peut exister. Who can be? Un Dieu puissant. A mighty God. Il est puissant dans la bataille. He's mighty in the battle. Il est fort dans les combats. Strong in the combat. Il est l'éternel des armées. He's the Lord of all. Il est plus fort que Lucifer. He's stronger than Lucifer. Plus fort que la magie. Stronger than magic. Plus fort que la sorcellerie. Stronger than the witchcraft. En lui il y a la puissance de transformation. He has the power. En lui il y a la puissance de sauver. La say, puissance d'aider. The power to help. C'est en lui. That's in him. L'homme est Jésus. The man Jesus. Le mari de veuve. The husband of widow. L'homme est Jésus. Man of Jesus. Il sait comment prendre soin des siens. He knows how to take care of his. Il n'abandonne pas les siens. Même dans la vallée de l'ombre et de la mort. David a dit, je ne craindrai aucun mal. Parce que je sais que l'Éternel est avec moi. I know the Lord is with me. L'Éternel est mon berger. The Lord is my shepherd. Je ne manquerai de rien. I shall not want. Laissez-moi parler de lui. Let me talk about him. Il est un véritable berger. He's a true shepherd. Il est un véritable berger. He's a true shepherd. Il est celui qui dort à la porte. Et tous les brebis doivent entrer. All the sheep must avant get it. Que lui ne puisse dormir. Before lui il reste à la porte. He stays at the le door. Bon berger. The good shepherd. Il ne perdra aucune brebis. He won't lose any sheep. L'ami fidèle. The faithful friend. Jésus notre Père. Jesus our Father. Jésus notre Dieu. Jesus our God. Je peux parler de lui toute la nuit. I can talk about him all night. Je parle de Jésus Christ. I'm talking about Jesus Christ. Laisse-moi parler comme Léa a dit. Let me talk like Léa said. Je parle pas de ce Jésus. I'm not talking about that Jesus. Je parle de Jésus de Nazareth. But Jesus of Nazareth. Jésus Christ. Jesus Christ. L'homme de Galilée. The man of Galilee. Come on somebody. Hallelujah. Il sait ça y est même bon. Il a dit, je suis capable. To lay down my life. De donner ma vie. Mais non, soyez mêmes. Je suis aussi capable. To take back my life. De récupérer Mais ma vie. Il a accompli cela. Il dit. Mais Dieu de merveille. God of wonders. Quand il entre dans ta vie. When he gets in même your ce life. Soir, comme je parle. Even tonight. Il doit établir les merveilles. He's gonna put wonders. Tout ce qu'il fait. All that he does. Mais sans que merveilleux. And that's wonderful. Merveilleux. Wonderful. Merveilleux. Wonderful. Merveilleux. Wonderful. Même le diable s'étonne. Even le diable se pose des questions. He's wonderful. Mais qui est cet homme de Who is that man of Jesus? Who is that man of Jesus? Qui est cet homme de Jésus? His name is power. Son nom est la puissance. Come on somebody. Alléluia. Son nom même a la puissance. Quand tu cites le nom de Jésus. When you say Jesus même name. Est dans l'enfer. Even in hell. Le diable tremble. The devil tremble. Dans le séjour des morts. In hell. Le diable tremble. The devil tremble. Le nom de Jésus. The name of Jesus. C'est le nom le plus élevé. That the highest name. Plus que Moïse. More than Moses. Dis amen à ça. Say amen. Plus que Élie. More than Elijah. Plus que Élisée. More than Elijah. Plus que David. More than David. Plus que Branham, plus que Malachi, plus que chacun de vous, more than each one of you. Un homme puissant, a mighty man. Devant lesquels, in front of them. Tous genoux, all knees, tous genoux, all knees, tous genoux, all knees, tous genoux, all knees,
Tout genou, all knees, ta malédiction, your curse, doit fléchir devant le nom de Jésus. C'est même somebody. Jesus name. Ton problème interminable, your endless problem, ça doit fléchir ses genoux devant le nom de Jésus. In front of Jesus name. Dans le nom de Jésus. In Jesus name. La force, the strength, la capacité, the capacity, de vaincre, to overcome. Il vient secourir. He comes to help. Ceux qui manquent le secours. Those who are helpless. Il se lève. He rises. Quand tout le monde t'abandonne. When everybody abandons you. Quand tu es dans le désespoir de ta vie. When you are in the hopeless situation. Quand tu ne sais pas quel chemin je vais prendre. When you don't know what way to take. L'Éternel des armées s'élève. The Lord of hosts will rise. Le secours qui ne peut pas manquer. Help always present. Il ne manquera jamais dans la détresse. He will always be present in trouble. Fais de lui ton bonheur. Make of him your happiness. Fais de lui tes délices. Make of him your delight. Il te bénira. He will bless you. Il enlèvera la honte de ta vie. He's going to take away the shame from your life. Il enlèvera ça. He's going to take it away. Tu seras appelé une femme de valeur. You'll be called a woman un of homme value. De valeur. A man of value. Voilà l'importance du nom de Jésus. That's the importance of Jesus. Il y a la victoire là-dedans. There's victory in there. Le nom de Jésus chasse les démons. Name of Jesus cast away demons. Le nom de Jésus, je répète. Name of Jesus, I repeat. Il chasse les démons. We'll cast away demons. Seulement par le nom. Only by the name. Je parle pas de la personne de Jésus. The person of Jesus. Je parle du nom de Jésus. I'm talking about the name of Jesus. Seulement le nom de Jésus. Only the name of Jesus. C'est la lumière. That the light. Dans les ténèbres. In the darkness. C'est la guérison. That the healing. Dans la maladie. In the sickness. C'est la paix. That the peace. Dans les troubles. In trouble. C'est la paix. That the peace. Dans les troubles. In trouble. C'est la consolation. That the consolation. Quand il y a la tristesse. Where there's a sadness. C'est la force. That the strength. Là où il y a la faiblesse. Where there's a weakness. Citez le nom de Jésus. Say it in the name. Un nom doux, un nom beau, un nom bon, un nom qui ouvre les chemins. Un nom qui brise les chaînes. Name that breaks the chains. I love this. James, there is power in the name of Jesus. We stand dans le nom de Jésus. To break all the chains. Ça brise toutes les chaînes. That breaks all the chains. Ça détruit les plans de l'ennemi. Destroys the plans of ça the donne enemy. La victoire. That gives the victory. Ça détruit les plans de l'ennemi. That destroys the plans ça of the détruit enemy. Les envoûtements. That destroys the peace. Le projet du monde des ténèbres. The plans of darkness les esprits world. Du monde des ténèbres. The spirit of darkness world. Quand le nom de Jésus est appliqué, when you apply Jesus' name, ça chasse le diable. That will cast away the devil. Ça restaure. That will restore. Vous croyez à ça? Do you believe it? Ça va vous restaurer. That will restore you. Je parle du nom de Jésus. I'm talking about Jesus' name. Le nom qui a la puissance the de transformation. Name with power of transformation. Si tu veux être transformé, if you want to be transformed, n'utilisez pas le nom de ton grand-père. Don't use the name of your grandfather. N'utilisez pas le nom du pasteur don't quelconque. Use the name of any pastor. N'utilisez le nom de Jésus. Use the name of Jesus. C'est le seul nom qui nous a été donné. The only man that dans le ciel. In heaven. Sur la terre. On the earth. Même sous la terre. Even under the earth. Le seul nom. The only one name doit être appliqué dans notre prière. That needs to be applied in our prayer. Le seul nom. The one name. Oh, come on, somebody. Hallelujah. C'est le seul nom. That's the only name. Qui donne la victoire. That gives the victory. Qui donne l'élévation. Gives the elevation. Par le nom de Jésus. By Jesus' name. Le boiteux a marché. As the cripple walked. Par le nom de Jésus. By Jesus' name. Hey. Il y a un homme. There is a man. Vous devez connaître ça. You must. You need to know that. Il était dans un accident. He was in an accident. Il était en dessous de la voiture. He was under the car. Il commence à crier. He started hollering. Frère Branham. Brother Branham. Frère Branham. Brother Branham. Frère Branham. Brother Branham. Viens m'aider. Come help me. Frère Branham a dit. Brother Branham said. Quand ça arrive à ce moment-là. When it gets to this level, brother. Le nom de Branham. The name of Branham. N'a rien à faire. Cannot do anything. Appelez Jésus. Call Jesus. Dis Jésus. Say Jesus. Jésus. Jesus. Jésus. Jesus. Il viendra t'aider. He's going to come help you. Que personne ne te trompe. Let no one fool you. Le nom de Jésus. The name of Jesus. N'a pas besoin de visa. Doesn't need any visa. Pour entrer dans votre problème. To get in your problem. Dans votre foyer. In your household. Oh, j'élève Jésus. I raise up Jesus. Je veux que Jésus soit élevé. I want Jesus to be raised up. Au-dessus de tous les pensées. Above all the thoughts. Au-dessus de tous les dieux. Above all the gods. Je veux Jésus. I want Jesus. Give me Jesus. Je veux, donne-moi Jésus. Prenez toutes choses que tu veux. Take anything you mais want. Laissez-moi Jésus. But leave me Jesus. Laissez-moi Jésus. Leave me Jesus. Laissez-moi Jésus. Leave me Jesus. Laissez-moi Jésus. Leave me Jesus. Il est tout pour moi. He's everything to ma seule me. Raison de vivre. My only reason to il live. Est ma vie. In my life. Ma consolation. My consolation. Quand personne ne me connaissait, when no one knew me. Jésus m'a connu. Jesus has known quand me. Personne ne me faisait aucun cas, when no one was caring Jésus about m'a me. Choisi. Jesus quand les gens m'ont rejeté, people rejected Jésus me. M'a élevé. Jesus raised me. Je lui dois beaucoup. I owe him a lot. Je lui dois toute ma vie. I owe him all my, all je lui my life. Dois mon succès. I owe him my success. Je lui dois mon âme.
I owe him my soul. Je lui dois toute ma vie. I owe him all my life. Je ne peux plus vivre pour moi-même. I cannot live for myself. Je ne dois vivre que pour lui. I gotta live for him. Je suis son esclave. I am his slave. Je suis son prisonnier. I am his prisoner. Parce que je ne vis qu'à cause de lui. Because I live only for him. Sans Jésus, without Jesus, tu es foutu. You are done. Sans Jésus, without Jesus, maman, tu iras où? Where will you go? Sans Jésus, without Jesus, ta solution viendra d'où? Where will your solution Même come from? Même David a dit. Even David says. J'ai l'argent, je le sais. I have money, I know. J'ai le bien matériel, je le sais. I have riches, I know. Mais quant à mon secours, about my help, je lève mes yeux. I raise my eyes. Vers les montagnes. Over the mountain. D'où me viendra le secours? Where my help is coming from? Le secours me viendra d'un homme. The help is coming from a man. Le secours me viendra d'un pays quelconque. It is coming from any land. Écoutez-moi bien, assemblée de Charlotte. Listen to me, assembly of Charlotte. Le secours ne vient pas du Congo. Help is not coming from the Congo. Le secours ne vient pas des États-Unis. Help is not coming from the United States. Le secours vient de l'Éternel. Help is coming from the Lord. L'Éternel qui a créé les cieux et la terre. The Lord created heaven and earth. C'est de lui que viendra ton secours. The help is coming from Him. Fais-lui confiance. Trust Him. Mets-toi sur tes genoux. Go down and Faites-lui confiance. Trust him. Apprenez à lui parler. I speak to Il him. Va t'aider. He will help you. Il va t'aider. He will help you. Pendant la nuit. During the night. Pleurez dans la prière. Crying your prayer. Pendant les jours. During the day. Essayez encore la prière. Try again the prayer. Le matin. In the morning. Cherchez-le dans la prière. Look for him in the prayer. Quand tu fais la vaisselle. When you wash the dishes. Fais-le avec le nom de Jésus. Do it with Jesus' name. Prends le nom de Jésus Take avec Jesus toi. Take Jesus' name with you. Partout là où tu seras. Everywhere you go. Oh, toi pauvre enfant de tristesse. You poor child of sadness. Il va te procurer la joie. He will give you joy. C'est le nom de Jésus. That name of Jesus. Ça donne la victoire. Gives the victory. Ça donne la guérison. Gives the healing. Le nom de Jésus. The name of Jesus. C'est le nom le plus élevé. That the highest name. C'est le nom que Branham nous a montré. The name that I'm sure Il a dit parler de Jésus. He said, talk about Don't Jesus. Talk about me. Ne parle pas de moi. Mais parler de Jésus. Talk about Jesus. Le diable n'aime pas quand je parle comme ça. Doesn't like when I Il talk est like tellement Jesus. Fâché. He's so mad. Parce qu'il n'aime pas que je lève Jésus. Like me to talk about Mais Jesus. Je vais exactement faire la chose qui le fera fâcher. I'm gonna make something that's gonna je veux que le diable soit fâché. I want the devil to be parce mad. Que Jésus est le plus fort. Because Jesus is the strongest. Amen. 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 Le seul digne the only one worthy de prendre les livres to take the book de briser les sceaux and to break the seal thereof le seul the only one capable de tout faire able to do everything le seul capable only one able qui a envoyé tous les messagers who sent all the messengers aucun messager ne l'a envoyé no messenger sent him mais c'est lui qui avait tous les messagers but he had all the messengers il les envoie un après l'autre he's sending one after another le travail termine il prend the work is done papa you go le travail termine the il work prend. Is done he takes him back le seul Dieu capable the only God that is able l'homme fort the strong man hein yes que je continue un peu Can I continue? Le puissant vainqueur. The mighty conqueror. Ça, tu n'as pas pensé à ça. You didn't think about it. The mighty conqueror. Le puissant vainqueur. Les autres ont vaincu la mort. The other one ils ont vaincu les lions. They conquered the lions. Ben, c'était Dieu qui a vaincu Paris. It was God doing it. Ils ont vaincu le feu. They conquered the fire. C'est Dieu qui a vaincu Paris. It's God who did it. Mais après tout, ils sont morts. After all, they died. Personne ne pouvait vaincre la mort. No one could conquer them. Mais l'homme est l'homme. But the man. L'homme est l'homme est l'homme. The real man. Quand il est venu sur la terre. When he came on the earth. Comme on a dit dans ses veines. Well, in his veins. Il avait la puissance de vaincre la mort. He had the power to conquer death. Quand il est sorti du ventre de sa mère. When he came out of the womb of Il commence his à chercher où est la mort. He started looking for death. Je dois vaincre la mort. Have to conquer death. On l'appelle, on le dit. They call it death. Lazare est mort. Lazarus is dead. Oh, Lazare est malade. Lazarus is sick. Il a dit, j'ai pas un problème avec la I maladie. Have the problem with the sickness. Mon ennemi, c'est pas la maladie. My enemy is not sickness. Come on, somebody. Hallelujah. You have to know who is your enemy. Vous devez connaître votre ennemi. Jésus dit, mon ennemi, This c'est la mort. My enemy is death. J'attends la mort. I'm waiting for death. Lazare est mort, Jésus a dit maintenant. Lazarus died, Jesus said now. Maintenant, allons-y. Now let's go. Maintenant, allons-y. Now let's go. Sont arrivés devant la tombe. They got in front of the tomb. Il a pleuré comme un homme. He cried as a man. Un Dieu qui est compatissant. A God that is il compassionate. Compatit par les douleurs de nos infirmités. He sympathizes by the pain of our infirmities. Il pleurait un peu l'idiot. He was crying, he said. Oh Lazare, oh Lazarus, Lazarus. Et après quand il bouge un peu ses épaules. Then when he's going to move his shoulders. La plénitude de la divinité. The fullness of the deity. Entre en fonction. I get into function. Hey! He did now. This is not a man. Maintenant, ce n'est plus un homme. This is God in action. C'est Dieu en action. Allez ôter la pierre. And remove the oh stone. Oh non, il sent pendant, il sent déjà. He's thinking. I don't care. Peu m'importe. Qu'il sente ou qu'il ne sente pas. Let's think on that. Je vais accomplir ma promesse. I'm going to fulfill Écoutez-moi my promise. Écoutez-moi bien, assemblée de Charlotte. Listen, assemblée de Charlotte. Que tu sentes ou que tu ne sentes pas. May you think que on that. Que ton problème persiste ou pas. May your problem persist Même or si not. Même si ton problème a existé longtemps. May your promise been for a long time. Sachez que quand Dieu entre dans no ça. Get into that.
Il appelle ça par son nom. He's going to call it by its name. Le Dieu de précision. God of precision. Il n'a pas de confusion. Doesn't have any confusion. Lazare. Lazarus. Sors. Come out. Prenons d'ici là. S'il n'avait pas précisé le nom de Lazare. If he didn't say the name of Lazarus. Ça allait être la résurrection générale. That would have been the general resurrection. Tous les morts allaient venir à la vie. All the dead would come back to life. Le Dieu de la vie. The God of life. Il peut vaincre ton problème. He can conquer your problem. Aujourd'hui. Today. Si tu le crois. If you believe. I believe. Yes, sir. I believe. Croyez ça. Do you believe? I do. Faites-le confiance. Trust him. Plus fort que ton problème. Stronger than your problem. Amen. Plus fort que la maladie. Stronger than sickness. Amen. Plus fort que les soucis. Stronger than your worries. Je l'ai vu comment il agit. I've seen him working. Comment il entre dans le foyer. I can get in the household. Là où il n'y avait pas d'espoir. Where there's no more hope. Lui quand il entre. When he gets in there. C'est lui le mécanicien en chef. He's the head mechanic. Hallelujah. Hallelujah. C'est lui l'inventeur. It invented. L'ingénieur inventé. The design engineer. Il a trouvé cet homme en train d'arranger la voiture. He found that man trying to fix the car. Cet homme touché là-bas, ça ne tenait pas. Ça touchait là-bas, ça ne tenait pas. It didn't work. L'homme est venu. The man came, come on now, come on. Monsieur, tu fais quoi? He said, sir, what do you do? Il dit, j'arrange la voiture. He said, I'm fixing the car. Il a dit, touche ici. He said, touch here. Touche là-bas. Touch over there. Touche ici. And touch here. Touche là-bas. Touch here. Allez, vas-y maintenant. Go now. Démarre. Crank it. L'homme a dit, oh. The man said, oh. Toi qui me montres tout ça. You showing me all this. Qui es-tu? Who are you? Qui es-tu, monsieur? Who are you? Who are you, sir? L'homme a dit. The man said. Je suis l'ingénieur. I am the engineer. Inventeur. Designer. De la voiture Ford. Of the car Ford. C'est moi qui ai inventé ça. I'm the one that designed it. Il y a un ingénieur. There's an engineer. Un inventeur. A designer. De ta vie. Of your life. Qui sait comment arranger ta vie. He knows how to fix your life. L'homme dit, il y a ici. Brandon says, un homme. Amen. Come on now. Qui peut allumer that can turn on la lumière. The light. That's right. Ils étaient dans l'ascenseur. They were in the elevator. Ils montaient dans l'ascenseur. Getting up in the elevator. Il n'y avait plus de lumière. There's no more light. Il faisait sombre à l'intérieur. It was dark in there. La jeune fille commence à avoir peur. The young girl started being afraid. Il dit, Yaya. She said, big brother. Yaya, comment est-ce qu'on va s'en sortir? How are we going to come out of it? Il y avait un homme là-bas à l'intérieur. There was a man in there. Qui pouvait allumer la lumière. He could turn on the light. Le garçon dit. The boy said. Ma sœur, tiens-toi calme. My sister, be at peace. Il y a ici. There's here. Un homme. Amen. Qui peut allumer. Who can turn on the light? Vous savez cet homme là c'est qui? You know is that man? Yes, I do. Ce n'est pas Branham. Not Branham. No. C'est pas ton pasteur. Not your pastor. No. C'est Jésus. That's Jesus. That's him. Only him. Seulement lui. Seulement lui. Only him. La seule raison de ta vie. The only reason of your life. Il faut un combo bengakae. You gotta have your name that you call him. Il faut un combo bengakae. You gotta have the name that you call him. Faut lukayango. You gotta find it. Faut benga na combo bien. Call him by a special name. Ningao yangai. My own friend. Bolingwa motema nangai. The love of my heart. Il est tout pour moi. He's all to me. Azanyo swa motuya po nangai. He's everything to me. Yende ya motuya. He's the precious one. C'est lui. That's him. Jésus. Jesus. L'homme bon. The good man. L'homme capable. The man able. Il est plus que capable. He is more than able. Comme nous l'avions chanté ici. As we sang it here. He is able to do anything. Il est capable de faire tout. Capable de tout faire. Able to do anything. Capable de tout arranger. Able to fix anything. Même si la vie est comme ça serpentée. Even though the life is like this. Quand Jésus entre. When God, Jesus gets in. Tout toi. It's going to become straight. L'homme capable. He is able. Il sait comment enlever la honte. He knows how to take away the shame. Alongola kasoni. He takes away the shame. Nzambe oyabiso. Our God. Ayininga alongola kasoni. He knows how he can take away shame. Les gens peuvent se moquer de toi. People can mock you. Il est de te donner le temps. Tell them to give you some time. Oh ma. Dis-le que vous me jugez un peu trop. Tell them you judge me a little too much. Give me some time. Donnez-moi du temps. Laissez-moi un peu de temps. Give me some time. Il travaille. He's working. Jésus travaille. Jesus is working. Hey, Maman Viviane. Maman Viviane. Jésus travaille. Jesus is working. Qui croirait que j'allais prêcher à ma mère? Who would believe that I'd preach my mother? Qu'elle serait debout avec l'onction. She'd be standing with the anointing. Qui pouvait croire à ça? Moi, je ne pensais pas. Who could believe it? I couldn't think about it. Quand j'ai grandi, je ne pensais pas. When I was growing up, I didn't think about it. Mais aujourd'hui, but today, il a enlevé la honte. He took away the shame. Il enlève la honte. Takes away the shame. Il élève à son temps. He raises in his Maman, time. Maman, fais confiance en Dieu. Trust God. Tu ne sais pas ce que David sera demain. You don't know what David is going to be tomorrow. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que Jacques sera demain. What James is going to be. Fais à Dieu confiance. Trust God. Peu importe ce que les gens peuvent dire. No matter what the people say. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. There's a man who can turn on the light. Il y a ici un homme qui peut tout changer. There's a man who can change anything. Faites-lui confiance. Trust him. Généreuse, fais-lui confiance. Generous, trust him.
Fais-lui confiance. Trust him. Je le parle avec tout mon cœur. Dis-lui, Seigneur, je te fais confiance. Tell him, Lord, I trust you. Moi, pour vaincre même mes épreuves. Even to overcome Dieu m'a parlé. God spoke to me. Dieu m'a dit à ta piste. God told me out of peace. Fais-moi confiance. Trust me. I know what I am doing. Je sais ce que je fais. Tu n'avais pas cherché ce ministère. You didn't look for that ministry. C'est moi qui t'ai donné ce ministère. I gave it to you. Je sais ce que je fais. I know what I'm doing. Sois calme. Be at peace. Apprends à me faire confiance. Learn to trust me. Dieu me l'a dit. God told it to me. God told me. Dieu m'a dit. Et je vous dis ça. And I tell you c'est ça le secret. That's the secret. Apprenez à lui faire confiance. I learn to trust même him. Quand ça ne tient pas. Even when it's not même working. Quand le vent souffle fort. When the wind is hard. Faisons-lui confiance. Let us trust him. Assemblée de Charlotte. Assembly of Charlotte. Venez, écoutez-moi bien. Brother, you have to listen. Faisons confiance à Dieu. Let us trust God. Le Seigneur de gloire sait. The Lord of glory knows. Qu'est-ce qu'il peut faire? What he can do. Pour chaque problème. For each problem. Hein? Jonas était fort. Jonas was strong. Capable. Able. Avec son argent. With his money. Dieu lui dit, je t'envoie à Ninive. God told him, I send you to Jonas Nineveh. Jonas était un jeune homme fort. Jonas was a strong man. How can you send me to Nineveh? Comment tu peux m'envoyer à Ninive? Je ne pars pas là-bas. Je refuse. I don't je pars à Tarsis. I'm going to Tarsis. Vas-y. Go. Jonas. Ton père et ta mère t'ont consacré à l'Éternel. Your father and mother consecrated tu dois suivre la voie de l'Éternel. Must follow the way of the Lord. I don't care. Get out here. I'm je fais ce que je veux. Je suis en Amérique. I do what I want. I'm in America. Vas-y le faire. Go do it. Si Dieu a un travail à faire avec toi, if God has a work to do with you, il te coincera. He's going to squeeze you. Il le fera. He will do it. Certainement. Certainly. Il va t'amener à un point. He's going to take you to a level. Tu seras contre les murs. You'll be against the wall. Il y a un seul chemin. Only one way. C'est accepter sa volonté. To accept His will. C'est ça, Dieu. That's God. Il peut te laisser faire tout ce que tu veux. You do whatever you want. Mais aussi longtemps que tu es un enfant de Dieu. As long as you're a child of Dieu God. Ne te laissera jamais God jusqu'au bout terminer ta vie pour faire l'opprobre à son nom. Jamais. Le Seigneur te coincera. Le Seigneur t'amènera à un niveau. Tu viendras à genoux devant Dieu. Maman, fais confiance à Dieu. Papa, fais confiance à Dieu. Il va s'élever. Il va changer la situation. The Lord will want let you get to the end with the shame. One day it's going to rise. Just to trust God, he's going to change the situation. Un jour, one day, il le fera. He will do it. J'ai dit un jour. I say one day, tu seras honoré. You'll be honored. Tu ne comprendras pas. You won't understand. Mais tu seras honoré. But you'll be honored. Tu seras honoré. You will be honored. Amen. Amen. La Bible dit c'est pas le débit que c'est pas la comment le débit qui commence, c'est le début de l'histoire. C'est pas le commencement qui compte, mais c'est la fin de l'histoire. The Bible says not everything is not about the beginning but the end. C'est la fin. The end that comes. Ceux qui couraient bien. Those who were running fast. Aujourd'hui sont les derniers. Today they're the last. C'est dont on n'en pouvait même pas penser. We could not even think of. Un jour ils seront des gens. That one day said people. Le lobo lié na fête naï. Today you ate at his party. Le lobo la tibilamba pour na fête naï. Today you walk. Le Seigneur sait ce qu'il fait. The Lord knows what he does. I'm telling you the truth. Je vous dis la vérité. Trust him. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Trust him. Le Seigneur sait ce qu'il fait. The Lord knows what he does. Tu m'écoutes, ma sœur. Are you listening, my sister? Les gens peuvent se moquer comme ils veulent. People can make fun. Mais qui connaît le lendemain? Who knows de the quelqu'un? Tomorrow of someone? Qui connaît l'avenir de quelqu'un? Who knows qui connaît future? Le futur de quelqu'un? Who knows about future? Ils vont parler comme des hommes. Ils ont des limites. Limits. Ils ne savent pas comment entrer dans les secrets du détail de la vie de quelqu'un. C'est seulement le Seigneur qui connaît. Only the Lord knows. Qu'ils se moquent comme ils veulent. Let them make fun the way they I don't want. Care about what the people can talk Mais about me. I don't care. I have to live my life as je I want. Je dois vivre ma vie comme je veux. Parce que mon demain. Because my tomorrow. C'est le Seigneur qui le fera. The Lord will do it. Le Seigneur le connaît. The Lord knows it. On t'appellera une femme de valeur. They call you a woman of value. Qui sait? Who knows? Peut-être que ton mari c'est le patron d'une société quelque Maybe part. Maybe your husband is the CEO of a qui business sait? Somewhere. Ils vont se moquer de toi comme des incrédules. Ne t'étonne pas. Ils l'ont fait pour Noé. Ils l'ont fait pour Sarah. Noah, ils l'ont fait pour Abraham. Ils l'ont fait pour tous les saints d'autrefois. Ils le feront pour toi. Do it for you. Mais le Seigneur connaît. The Lord knows. Il sait comment il va ôter ta honte. Il va ôter ton nom propre. Tu as longtemps resté dans la prière. Tu as longtemps été dans tes genoux. Oui, mon épouse, tu m'écoutes bien. Are you listening? Tu as longtemps été sur tes genoux. Tu as pleuré, tu as gêné, tu as pleuré. Un jour, le Seigneur de gloire s'élèvera. One day, the Lord of glory will rise. Il s'élèvera. He will rise. Il ne suit pas les larmes. He doesn't wipe the tears. Zamboyo. That God. Zamboyo. That God. He doesn't wipe the tears. But he's going to unroot.
and root. What is going to make you cry? Le Seigneur va les picoler. The Lord will unroot it. One of these days. End of séjour. End of séjour. One of these days. Il va aller jusque là dans les sols. He will go under the ground. Ça, il bouge ça. Touching it, removing it. Bimi. And he's going to unroot it. Il va te donner la victoire. And give you the victory. Je prêche que tu lui fasses confiance. I preach you to trust him. Il est le Dieu de la transformation. He's God of the transformation. Fais-lui confiance. Trust him. Pour la transformation de ton foyer. For the transformation of your household. Allô? Yes. Hello? Amen. Tu as laissé les pantalons des femmes. You left the pants of women. Pas aujourd'hui. Not today. Il y a beaucoup d'années. It's been a long time. Tu as laissé le maquillage. You left the makeup. Pas aujourd'hui. Not today. Il y a longtemps. It's been a long time. Tu as laissé les boîtes de nuit. You left the nightclubs. Pas aujourd'hui, Frenetti. Not even today. Il y a longtemps. It's been a long time. Tu as été dans ce message. You've been in this message. Tu as prié comme tu as prié. You've prayed as you prayed. Et c'est aujourd'hui que Dieu va te laisser. And today God is going to leave you. C'est impossible. That's not possible. Ça va passer. That will go away. Ces nuages là passeront. Those clouds will go away. The prophet say, le prophète dit, we will sing a song of victory at the last. À la fin, nous allons chanter un chant de victoire. Nous chanterons un chant de victoire. We'll sing a song of victory. Nous chanterons Nzambe malamu. We'll sing God is good. Nzambe malamu. God so good. Nzambe malamu. God good. Malamu. God is so good for me. Les bonnes choses. The good things. Avant que ça arrive, ça dure. Before it happens, it takes long. Ça prend beaucoup de temps. That takes long. Tu te demandes, Seigneur, quel jour la paix vient. You wonder, Lord, when the peace will come. Quand la paix commence. When the peace starts. Ça éclate comme le septième saut. That burst at the seventh seal. Oh, for when I'm dit le septième saut. Father said the seventh seal is the end of everything. Ça sort comme une étoile. That comes out as a star. Ça fait boom, 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 that, boom, boom, boom. La fin du temps, la fin des âges, la fin des âges, the end of the ages. Quand Dieu commence à agir, when God starts working, il touche partout. He touches everywhere. Cet enfant directeur, so this child, l'autre là, director, the other one preacher, l'autre là-bas, chef d'entreprise, the other one boss. Tu ne sais plus. La joie est départagée. The joy is everywhere. Tu vas mourir de joie. You're gonna be so happy. Tu ne sais plus maintenant. Je vais toucher où? Where am I gonna touch now? Je vais toucher où moi? What am I gonna do? Je vais toucher où? Where's gonna be my joy? Ça déborde. It's overflowing. C'était difficile. Was hard. What should I touch? Leah is this. You're happy, Maddie. David, now go to my name. David, say, Jack. Jack. Jonathan. But Jonathan. But finally. But finally. Where am I going to be? Lord, you gave me so much joy. Lord, you gave me so much joy. That's what God will do. Fais-lui confiance. Trust him. Fais-lui confiance. Trust him. Il va ôter ta honte. He will take away your shame. Il va te donner la joie. He'll give you the joy. Demandez à maman Viviane. Ask to Mama Viviane. Psaume 103. Psalm 103. Mon âme. My soul. Bénis l'Éternel. Bless the Lord. Que tout ce qui est à moi. Let all that is in me. Bénis son Saint nom. Bless his holy name. Mon âme bénis l'Éternel. My soul. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Don't forget any of his benefits. Les bienfaits de Dieu. The benefit of God. Kyria parle. Kyria speaks. Kyria écrit. Kyria can write. Hein? Kyria. Kyria. Elle parle. She can speak. Kyria. Kyria. Écrit. She can write. Kyria. 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 Ah. Mais Kyria, Zakinan. But tell me, who was Kyria? Kyria ne parlait pas. Kyria could not speak. J'ai dit vrai, maman. Am I telling the papa, truth? J'ai dit vrai. Daddy. Kyria, est-ce que Kyria parlait? Could Kyria, could she speak? Mais Kyria, c'était le sujet des pleurs. Kyria was the topic, the subject of crying. Le sujet des soucis. Subject of worries. On priait pour elle tous les jours. We prayed for her every day. Seigneur. Lord. Seigneur, longola soni na biso. Lord, remove her shame. Seigneur. Lord. Seigneur, longola soni. Lord, remove her shame. Maybe ketoza na église à réveil. We are in the church of revival. Seigneur, longola soni. Lord, remove her shame. Aujourd'hui. Today. Je vois Kyria. I see Kyria. Qui signe même la les carnets des visites du mariage de frère Benjamin. That said even the guest book of brother Benjamin. J'ai dit, ah, I said, oh, c'est Kyria. That's Kyria. Kyria peut m'écrire sur un papier. She can write to me on a paper. Papa, tapis, I love you. Papa, tapis, je t'aime. Kyria. Kyria. Ah. Oubliez tous les autres témoignages. Prenez ça. Forget all the other testimonies. Take that. Applique ça dans ta vie. Apply that in your life. Pour d'autres problèmes. For other problems. Tu verras la solution. You will see the solution. Qu'est-ce que Dieu a fait dans cet enfant? What has God done in that child? Il a travaillé sa tête. He works her head. Il a travaillé son intérieur. He works her inside. Il a travaillé son intellect. He works her intellect. Et aujourd'hui, Kyria parle. And today, Kyria can speak. Kyria salue les gens. Kyria can greet people. Kyria parle. Kyria was speaking. Elle courait sans contrôle. She was running with no control.
que rien est contrôlé. Kiana is controlled. Elle est devenue une personne qui peut aller à l'école. She became someone who can go to school. Par la force de la prière. By the force of the prayer. Qu'est-ce que la prière ne peut pas faire? What can't the prayer do? Échouer. Fail. C'est ce que la prière ne peut pas faire. That's what the prayer cannot do. Le reste. The remaining. Ça arrivera. It's going to come to pass. Qui croit ce que j'ai prêché? Who believes what I preached? Moi, je crois ça à 1000%. I believe that 1000%. Fais-lui confiance. Trust him. Il est le Dieu de la transformation. He's God of the transformation. Il changera tes mauvais côtés en bon côté. He'll change your bad side on the good side. Tes faiblesses en force. Your weakness in strength. Fais-lui confiance. Trust him. Un Dieu bon. A good God. Il le fera. He will do it. N'oubliez pas la prière. Don't forget a prayer. Dans votre maison. In your house. N'oubliez pas la prière. Don't forget a prayer. Dans tout ce que vous faites. In all that you do. Et le Seigneur de gloire. The Lord of glory. Il vous bénira. Will bless you. Que Dieu vous bénisse. May God bless you.